Salut la chamie! Je parle pas trop fort parce que j'ai le fiston qui est là. Épisode 5! Déjà 5 semaines qu'on est sur Dragon Age! Ça passe trop vite! Hop, je remets la catégorie. Comme d'habitude. Est-ce que vous avez la forme? Depuis cette nuit, ça fait moins de 24 heures qu'on s'est laissé. Parce qu'on a fini Erika à 1h30 du mat. Merci Benchou pour tes bibis. Tu vois, j'ai pensé à le mettre. Au dernier moment, mais j'ai pensé à le mettre. J'étais trop fière de moi. Tu vois, ça fera plaisir à Bench. J'ai remis le défi, le boost. Le boost, c'est le défi, le boost. Ça a été la journée? Tu me reçois? Ah. Ouais, c'est gentil. Je l'ai fait au moment de changer le titre du live, j'ai pas. Ah. Il me manque un truc. Mais bien sûr. Bon alors, pour récapituler, je vais mettre continuer. Ouais, ça va, un petit peu fatigué, mais ça va. Je pense que la semaine à 5 streams, elle est plus compliquée, c'est plus... Il faisait beau et chaud aujourd'hui, ça c'est cool. Alors, je vous dis un petit peu les petites nouveautés. Merci pour tes bibis, Guépi. T'en as combien de bibis, Guépi, d'ailleurs? Actuellement. Là c'est en train de charger. Ah, j'ai des rapports qui sont terminés, faudrait que j'aille à... Enfin, je retourne à Dars. Ah, joli bug. Le soldat qui passe à travers le bureau. Ah ouais, là j'étais dans les marches solitaires pour me promener un peu et puis faire quelques missions. Je suis en train de voir que la tenue de mon perso s'est trollée parce qu'elle a tout le visage peint. On croit qu'elle s'est roulée dans la boue. C'est abusé. La tronche que ça lui fait quoi? Prendre? Qu'est-ce qu'il y a ici par terre là? Pourquoi prendre? C'est quoi? Pourquoi j'ai ça ici? C'est bizarre. Pourquoi j'ai besoin de ça là moi? Ok, c'est pas grave. Ouais, parce que du coup, pour vous dire, ratez ce passage, je vais faire. Sur les marches, j'ai encore non, c'est pas ça que je veux faire. Pas quête en... si, quête en cours. Voilà quoi. On va dire que j'ai pas mal de choses encore sur les marches. J'en ai partout en fait. Donc j'espère que je vais pas en perdre en cours de route. Et clairement, tout ça, on peut pas le faire en stream quoi. Enfin, j'essaye de faire en dehors, mais là, cette semaine, j'ai pas dû en faire assez. L'Oasis, il me reste pas beaucoup. L'entourage, là c'est les quêtes de personnages. Donc ça va. La voix de l'Inquisition. Bah ça c'est la... Attends, la voix de l'Inquisition, bah c'est la quête principale ça. Ah oui c'est ça, rencontrer Fiona, la mouette et la lanterne. Ah oui c'était soit les Templiers, soit les mages et nous on est parti sur les mages. Alors par contre, on va retourner vite fait à Dars pour une mission là pour faire pas, enfin pour faire. Pourquoi tu peux pas voyager à Dars? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi il veut pas me faire voyager à Dars? Voilà, je sais pas pourquoi. Parce que j'étais en position de combat, j'en sais rien. Bah oui, tu dépenses tout dans les défis, tu m'étonnes, Capi. C'est pour ça que je faisais ma petite curieuse, que je te demandais ce qui te restait, parce qu'il doit pas te rester grand chose. Moi je sais pas si pour ceux qui étaient là ou pas là sur la fin, en fait j'ai changé juste un élément sur Erika. J'ai tué vous savez qui. Et en fait au bout de 5 minutes j'ai débloqué une autre fin. Donc globalement pour ceux qui ont besoin de revoir le stream, vous allez regarder... dans la dernière heure et demie, en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être les 10 dernières minutes. Donc, les Tevintides sont dans les marches du Sahara.
À chaque fois, je vais vers ce point d'exclamation, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai des petits bugs. Des petits temps de chargement masqués. À chaque fois, j'aime bien passer à la taverne parce que je récupère des musiques. Des fois, la demoiselle, elle se met à chanter, là, elle a sa guitare et tout. Ah, elle a pas envie de chanter, là. Tant pis. Direction la table de commandement. Yo, Zouk Zouk. Comment on va, depuis tout à l'heure? Bon, là, je parle à personne parce que j'ai pas avancé dans l'histoire, donc ça sert à rien. J'ai pas encore choisi avec qui je vais sortir. Enfin, avec qui je vais essayer de sortir. Oui, bah, fais ce qu'on peut. Hein. Ah, j'ai un atout de l'acquisition à mettre. Coucou, Blackie. Secret. Alors, force s'entraîner pour acquérir une endurance digne d'un soldat. Affûter son regard et son esprit. J'aime bien la persuasion malgré tout. Connaissance de la noblesse, réputation en or, échange de bons procédés, réserve rare. Ouais, mais du coup, j'en ai déjà fait pas mal. Inquisition, améliorer la coordination et la structure. Là, j'ai déjà mis quelque chose aussi. Est-ce que j'ai mis quelque chose dans secret? Non, secret, j'en... Ah si, j'en ai mis deux déjà. Enfin, j'en ai deux, trois même. Dans force, j'en ai combien? Un, deux. Posture du cavalier. Non, connaissance de la pègre. Ouais. Ouvre des dialogues sur l'île mystique, main verte. Oh, mais c'est pas en fait ça! Bah là, je vais faire la quête principale, mon petit Blackie. On va aller rencontrer une des chefs des mages à Golfalois, à la taverne. Donne 10% de chance de recevoir des herbes supplémentaires à chaque récolte. Mais ça me plaît, ça. Ah, c'est pas mal aussi. Augmente considérablement la portée de la recherche. Oh, plus 5% d'expérience supplémentaire sur chaque ennemi étudié. Effet rétroactif sur ceux étudiés auparavant. Oh. Il y a plein de trucs ici. Ah, je vais mettre de lynx, peut-être. Mais c'est trop bien les atouts, ils sont trop cool! Qu'est-ce que j'ai comme mission actuellement? Rapport prêt. Parce que j'ai envoyé quelqu'un pour utiliser les traités de la garde et des ombres. Coucou Doki! Ah oui, c'est vrai que j'ai un boule à rajouter à l'équipe, c'est vrai. J'avais raison de faire courir la nouvelle que l'Inquisition s'était alliée aux gardes des ombres, nous a permis de recevoir de nombreux messages de soutien. Grâce au traité, nous avons pu accueillir de nouvelles recrues et obtenir des dons en or et en équipement. Le commandant en fera bon usage. J'ai reçu une robe du griffon. Je pense que ça doit être pour les mages. Un cadeau pour Bianca? Liliana, j'ai entendu dire que vos petits malins avaient réussi à s'emparer de quelques objets de valeur pour l'Inquisition. Coucou Arnaud, comment tu vas? J'aurais besoin de votre aide. L'un des apprentis forgerons m'a interpellé en me voyant passer avec ma Bianca. Il m'a raconté qu'il était tombé un jour sur un mage fort mori appelé Prévoyant et que celui-ci avait des idées pour améliorer la précision des engins de siège. Le genre d'idée qui pourrait être adapté à Bianca, vous voyez, j'ai décroché quand il a commencé à parler d'absorption de recul et de translation rectiligne, je me suis excusé poliment. Vous pourriez demander à vos pivoleuses de mettre la main sur ce prévoyant ou sur ces schémas. Il n'y a absolument aucun problème avec la précision de Bianca, mais elle aime quand même bien quand papa lui achète de nouveaux joujoux. Mais oui, bien sûr. Voyons un peu ça. Mais carrément, allons choisir un morceau d'arme pour Bianca. Là-bas, c'était quoi? Enquêter sur les étranges symboles tracés à la craie. Extrait de rapport de recteur. Connaissez-vous ce symbole? Un triangle renversé, traversé par deux lignes sinueuses. Un éclaireur en a aperçu un tracé à la craie sur un mur en ruine près de l'un de nos avant-postes. Les premières observations de nos archimistes ne nous ont bien rien révélé sur le symbole, ils cherchent encore. Ah, faut que je boive! T'as raison, Blackie. Oh, je suis quasiment encore à sec, c'est pas vrai. Hop! Argent pense avoir déjà vu ce symbole ou un autre lui ressemblant beaucoup, tracé dans un registre appartenant à la comtesse de Bayard. Des recherches systématiques ont été entreprises comme vous l'aviez ordonné.
Presque tous nos avant-postes ont été marqués de la même manière. Beaucoup pensent qu'ils nous observent, mais dans quel but? Ah, on a des symboles qui sont marqués sur nos bâtiments, c'est trop trop bizarre. Hop là, Ferelden, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dresser des tours de guet disponibles. Gagner de l'argent, rapport prêt. Moi, c'est juste gagner de la thune, ça sert à rien de. Rapport prêt sur la mer d'écume. Nous avons trouvé ce que nous cherchons, un ancien caveau presque enfoui sous la végétation au cœur de l'île. Personne n'avait dû y toucher depuis des millénaires. Nous l'avons ouvert tant bien que mal sans déclencher les pièges. Et ce que nous avons trouvé à l'intérieur était intéressant. D'après un agent nommé Rion, c'était la retraite de l'un des derniers disciples d'Andraste, un gardien qui a fui une attaque sur le site de la Sainte Urne Cinéraire. Il attendait le renfort d'autres disciples qui ne sont jamais venus. Les textes que l'homme voulait préserver sont tombés en poussière pour la plupart. Nous avons récupéré plusieurs autres artefacts dans les lieux. C'est une découverte importante qui sera certainement d'un grand intérêt pour les savants de la chanterie, même s'il leur faudra des années pour trier les débris. On a gagné une ceinture grâce à ça. Je crois qu'il me reste une personne à allouer. Dresser des tours de guet. Les réfugiés des marches solitaires sont menacés par les bandits, les démons, les mages apostats et les templiers déserteurs. Ça fait beaucoup. Ériger des tours de guet dans la région aidera les forces de l'Inquisition à protéger les réfugiés et les fermiers. Les sites adaptés pour leur construction ont déjà été marqués. Ouais, c'est moi qui les ai marqués, donc... Allez, go les soldats. D'accord. Alors, si je me souviens bien, il y a un compagnon qui est particulièrement important. Parce que Blacky, il l'adore. Donc je pense qu'on va aller le chercher. Je ne sais plus les boutons. C'est génial. Journal. Ça doit être entourage. Le capitaine de la charge. Voilà. Un guerrier Kunari nommé Iron Bull. C'est lui qu'on va aller chercher. Un nouveau compagnon. Qui a l'air super cool. Il est très fort. Ah. Puis c'est cool, c'est un Kunari, j'aime bien. C'est la même race que mon personnage. Donc il doit être à Ferelden, je pense. Ah mince, je sais plus où... Ah non, c'est Côte Orageuse. Inspecter la Côte Orageuse. Parliez de... Oui, Kellen. Rassemblez votre groupe pour aller à la Côte Orageuse. Donc Serra, Cassandra... je prendrais peut-être Vivienne, mais elle a pas d'équipement pour le moment. On va essayer de partir comme ça. Bah j'ai fini vers 1h40 par là. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que, en gros, j'ai refait 1h30 comme on avait fait la première fois, quoi. Alors que souvent, les jeux à choix, ils ont des chapitres, normalement. C'est-à-dire que j'aurais repris au dernier chapitre, au moment de quasiment du choix, et puis j'aurais... Enfin, ce que j'ai fait hier soir, en 5 minutes, je l'aurais fait s'il y avait eu les chapitres, plutôt qu'en 1h30, tu vois. Ça, c'est vraiment dommage. Je crois que c'est la première fois qu'on met les pieds sur la côte orageuse. Bah, j'ai jamais testé Vivienne, je vais voir ce qu'elle fait. Votre grâce, ça vaut ce que ça vaut, mais bienvenue sur la côte orageuse. Vous me direz pour le son ? Je vous en aurais informé plus tôt, mais nos efforts ont... Bah ça a duré 5 minutes, mais c'était cool. Ça a fait comment plaisir ça de lui tirer dedans. Un groupe de bandits sévit dans la région. Ils connaissent bien les lieux et ils donnent du fil à retordre à notre petite équipe. Certains de nos soldats sont allés s'entretenir avec leur chef. On est toujours sans nouvelles. Ça ne me surprend pas. Évidemment. Les soldats ne connaissaient pas la position exacte des bandits, mais ils ont commencé leurs recherches plus loin sur la plage. Oui, il fait que pleuvoir. Avec tout ça, on n'a pas non plus réussi à mener de véritables recherches pour retrouver les gardes. Eh bien, bonne chance. Et profitez de l'air marin. Il paraît que c'est bon pour le moral. Donc il vous manque un peu de son du jeu ? Au niveau des... Alors, attends. Petit écran bleu, désolé. Donc un poil plus de son du jeu. Pourquoi ma batterie elle est faible? Comment ça se fait? Je les ai pas échangées tout à l'heure. Ah ben j'en profite pour échanger mes manettes. Hop, j'ai mis un cran de plus. Bah oui, côte orageuse forcément. Alors je vais faire ça maintenant parce que ma manette sinon va y avoir un moment où elle va faire quack. Tenez, ça pourrait vous intéresser. Quick ou quack au choix.
Voilà, c'est bon, désolé pour l'écran bleu. Là, vous devriez plus avoir d'écran bleu normalement, sauf si le son ça vous va pas. Les joies du magnifique écran bleu PS4. Miam miam. Alors, effectivement, quand il pleut, ça va pas aider la qualité d'image du stream. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça pourrait valoir le coup. Après, il y a certaines voix qui sont plus basses que d'autres, mais. Donc, l'étude géologique, c'est bon. Pom pom. Au suivant. Ah oui, je voulais équiper les lianes, c'est vrai. Viviane. Bah, tu me parles ou tu me parles pas là ? File-moi la mission. Du nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous devriez regarder de plus près. Elle, là, par exemple, sa voix est super basse. Il me manque une peau de chatmite. Merci pour tes bibis, Arnaud. Inventaire. Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut que je fasse, archive personnelle. De Vivienne. Ah, c'est Vivienne, pas Viviane. Gain de niveau auto. Esprit, tempête, brasier, hiver. Là, elle est particulièrement hiver, non ? Elle est full hiver. Inventaire. Donc, on a dit, c'est Vivienne qu'il faut que j'équipe parce qu'elle a que dalle. En fait, on a maléfique avec nous. Arme. Bâton de foot de sorcière. Courroux de Lovias. Bâton, dégâts de froid. Mais c'est parfait ça, c'était fait pour elle. Ensuite, armure. Armure de mage de guerre. Ouais, c'est du léger forcément. Robe du griffon. Ouh. Ah, c'est dégueulasse, c'est moche. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'armure légère rare, elle est moins forte que l'armure légère unique. Ah, mais je l'aime bien, la robe du griffon, c'est dommage. C'est dommage. Ah, son casque, je peux en changer, parce que c'est vrai qu'il est un peu machin. Ouh là là. Que je vais pouvoir lui mettre d'autres, la demoiselle. Accessoires. Oh, parce que là, ça, c'est pas joli. Hein. C'est pas joli ce qu'elle porte. Je regarde si ma catégorie elle est encore bonne. Parce que j'ai pas fait gaffe. En fait, à force de ramasser des ceintures, des machins, des bidules, j'ai 68 places. Enfin, j'ai 68 places de prise sur moi alors que j'ai que 75 max. C'est-à-dire que dans peu de temps, à mon avis, je devrais revenir en arrière. Je devrais aller faire des ventes. Alors, ceinture d'affolement, ceinture du pacte. Les capacités de froid sont plus puissantes contre une quantité de modérée de santé. Elle en paye pour sa santé, quoi. Et amulette. C'est dommage. Il n'y a pas d'anneau ni d'amulette qui peuvent lui aller. Ah, c'est dommage. Ouais, plus 50 de soins, ouais, c'est bien. Ceinture à grenade, non. Il y a plein de choses qu'elle peut pas mettre, la pauvre. Ouais, il aurait fait les choses en gros nettoyage. Donc ouais, elle a pas d'anneau, quoi. Je vais aller équiper les potions. On va voir ce qu'on lui donne. Moi, j'ai une potion, elle est trop drôle. C'est... je lance des abeilles. C'est lol. Bocal d'abeilles. Potion de lyrium. Donc j'ai vu que les... ils utilisent pas automatiquement leurs potions, j'ai vu. Enfin, celle-ci, en tout cas, non. Peut-être que j'aille voir dans les critères. Est-ce que c'est mieux au niveau du son ? Ah. Ça brille, ça brille ! Par au-dessus. J'ai obtenu 3 pierres du serpent ? Je les ai attrapées ? Ah oui, je les ai attrapées, elle les a ramassées, d'accord. Donc je dois aller au point de rendez-vous. On va aller voir Iron Bull. C'est mieux ? Bon, c'est cool. Ah, c'est joli, on voit la plage et tout. Vous voyez bien ou pas ? C'est pas trop mal fait, l'eau. J'adore l'ambiance. Est-ce que quelqu'un a envie de prévenir Dom qu'on est sur Dragon Age ? S'il nous a oubliés.
petit dom-dom. Lucas adore ça. Est-ce que je suis pas en train de me paumer là? Si, sans doute. Je vois pas de chemin. La Bretagne, ça vous gagne. Je suis pas sûr que je dois passer par là. Hein. À flanc de colline comme ça. Merci, Zoki. Allez, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Pas de chemin là? Ah non, ah si là. Oh, quoi? On a exploré les environs. Bah, c'est gentil les gars, merci les mecs. Ils m'ont sorti un coffre, c'est trop bien. On veut du Red Bull. Trop bien, attention aux chutes de pierre, ok. Bah faisons attention aux chutes de pierre là. Ah, ben j'ai pas eu de... J'ai eu le bruitage de l'attaque beaucoup plus tard. Bizarre. Découverte de la grande crique. C'est clair. Quel bandit? Où ça? Où tiens les bandits? Ah, mais c'est pas un bandit ça. Ça c'est... C'est quoi? Ah non. Mince. Un ours. Non, c'est pas un ours. Tiens. Bon, ça va, ils sont niveau 7, je devrais pas avoir trop de mal de, pour les pouiller. Allez, fais dodo. Attends, je vais tester ma... mon vocal d'abeille, moi. Attaque à zone d'effet. Les attaques à zone d'effet vous permettent de viser des groupes d'ennemis. Utilisez L pour déterminer la cible de la zone d'effet lorsque sa position vous convient. Appuyez sur X pour lancer l'attaque ou appuyez sur rond pour annuler. Ok. Ah, c'est bien pour les groupes d'ennemis. Mm-hmm. Ouais, j'ai la tête dans les arbres. Bon, je vais peut-être tester sur un groupe d'ennemis plus large. Quoi. C'est juste un ours, c'est dommage. Mais il est pété de vif, machin. Ah, ça revient au niveau 10. Ouais, c'est pour ça. Pourquoi il est tombé sur un ours niveau 10? Donc les ennemis d'avant, ils étaient niveau 7. Alors lui. Il est tout seul? Il est mort. Ah, puis elle a été gelée. Ah, j'adore les dégâts de geste, c'est facile. Ils se font poutrer, les ennemis. Il est où l'ennemi? Il est où l'ennemi? A pu? A pu l'ennemi? Sûrement les soldats disparus. Regardez je la carte. Je veillerai à ce que leur famille en soit informée à notre retour. Alors, on a trouvé le corps de soldats disparus, c'est ça? Ah, il y a des... Ouais, il y a des gens. Nos hommes ont été abattus par un groupe appelé les Lames des Sariannes. Il semble qu'il y ait un moyen de défier leur chef. Ils ont pris le nom de l'épée qui a tué Andraste. Quelle ambition. Ouais, les lames et leur défi. C'est à qui a la plus grosse. Alors, je rigole beaucoup de... De l'attitude de Serra, elle est trop drôle. Par contre, on n'a pas changé de quête, là, par hasard? Parce que nous, à la base, c'est pas... on voulait pas faire ça, nous. On voulait faire ça, le capitaine de la charge. Ouais, on s'est fait... Ah bah oui, on s'est fait embarquer dans autre chose, hein. Mais complètement. Mais non, mais pourquoi? Salut, Vati. L'anal du destin. Attends, on a pas vu que... Ah, merci pour l'info, en tout cas, c'est cool. Donc ça, ça... Oh, j'ai une machine qui ronfle encore, là.
comme une bienheureuse. Pourtant, elle vient juste de se poser. Eh, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Je suis full déjà. Bah, je vais rentrer vite fait à Dars. Et je vais revenir quand je serai vide. Non mais comme d'habitude, je me promène et puis voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'étais persuadée... Tu recommences. J'étais persuadée d'avoir mis la bonne mission. Ah, c'est peut-être quand j'ai choisi la mission à partir de la carte. J'ai dû me tromper au moment où j'ai choisi la mission par rapport à la carte de commandement. Alors, voyons voir. Faux départ. On va s'installer là. Oh, la tête. Inventaire. Donc, arme. Non. Bâton de feu, machin. Je crois pas que j'ai grand chose en arme. Arc long renforcé, c'est pour... Non, là j'ai mieux. Il y a quelques à la dague, donc ça c'est ça dégage. Ça, ça dégage. Stylet d'exception. Ah, mais j'ai... Oui, d'accord, j'avais oublié que j'avais une deuxième main. Ah, le stylet d'exception, il peut aller dans l'autre main. Ouais, c'est ça. Donc la dague d'esquive... Non, attends. Non, elle est déjà équipée. Elle est où mon autre dague du coup? Parce que je l'aimais beaucoup la dague du serpent. Je crois que c'est la dague du dragon. Ah non, la dague du dragon. Je l'aimais bien, elle était trop classe. Mais bon, tant pis, c'est fini. Tranche son. Voilà, ça vire aussi. Donc au niveau des armes d'Héracléa, c'est bon. Ok. Ensuite, Cassandra. Qu'est-ce qu'elle peut prendre par ici? Est-ce qu'elle a le niveau. Est-ce qu'elle a le niveau 10? Ouais. Et c'est vrai que j'ai une hache à deux mains. Un maillet. Est-ce que c'est à une main ou à deux mains? Je sais plus, moi. Ah, c'est à deux mains. Du coup, ça va pas. Pavot à pointe, ça c'est un bouclier. Clémore, c'est une épée. Hachette d'écumeur, ça dégage. Ok, donc ça c'est bon pour les armes de Cassandra. Serra. Kessara, Serra. Elle, c'est pas compliqué, il y a quelques qui utilisent les arcs, donc... Que de la daube. Puis même pas terrible en plus qu'elle actuellement, quoi. Après, j'améliore pas beaucoup mes armes. Black Wall. Il utilise quoi, Black Wall? Ah, il est aussi épais bouclier. Ben non, il sera à double hache. Je lui donne, elle est trop bien. Elle est glace, hein. On l'avait récupérée sur un seigneur. Du coup, ça va, ça dégage. Vivienne, on l'a équipée, ça y est. Donc, c'est-à-dire que si Solas n'est pas intéressé par les bâtons actuellement qu'on a, et ben. Hein? Vous l'entendez pas ronfler l'autre? Ma grosse vache d'amour. Il y aura que celui-là à la rigueur. On passerait en dégâts d'électricité. Ça met de la magie en plus. Ouais, pourquoi pas. Faut bien évoluer à un moment donné. Donc c'est bon. Il y a des objets que je peux pas encore mettre parce qu'ils sont trop gros et je les garde sur moi quand même. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne suis pas sûre. Donc on peut passer aux armures. Ouais, c'est un petit peu long à faire et tout. T'entends pas ronfler? Oh putain, ça donne un cœur, je vois pourtant. Aréa Cléa, qu'est-ce qu'on a pour elle? Chance de critique ou bonus de critique? Donc ça, ok. Cassandra... Donc là, elle, c'est du lourd, hein. C'est du lourd, évidemment.
Je crois que c'est quasiment une des seules qui met du lourd. Ah bah non, maintenant il y a... Il y a comment il s'appelle? Il y a Blackwall. Pourquoi je peux pas comparer? Pourquoi je peux pas comparer? Il a rien quand même? Il avait pas d'armure. Ok. Vivienne. Donc c'est du léger pour aller. Ouais, mais elle, j'ai déjà équipé du coup. Ah, il faut que je vois sur Solas. Si Solas ça lui va pas, les armures de mage, ça dégage quoi. Armure Alvar Savir. Armure de mage. Ok. Armure d'enchanteur. Ouh, ouais, mais mage niveau 13, j'ai pas du tout le. J'ai le temps level Pix. Varric, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ça, c'est pas bon. Manteau du Carta. Ça aurait été pas mal, mais non. Et voilà, donc au niveau des armures, c'est bon. Maintenant, il y a toutes les ceintures et tous les anneaux. Bon, je vais déjà voir si je vends ça. Ce que ça donne. Vendre. On retombe à 39. Ah, c'est déjà beaucoup mieux quand même. C'est un point d'exclamation que je vois là ? Blackwall, il veut me parler ? Oula ! Oh, le créateur, regardez. C'est tellement plus facile de l'ignorer quand elle est loin. C'est vrai. Et vous qui l'avez traversé, d'en être aussi proche. Je m'ai eu de la chance. Si les soldats de l'Inquisition ne m'avaient pas sauvé, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Les soldats de l'Inquisition. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Je dois avouer, je vous imaginais... Humaine ? Oui. Je vais être... Au moins vous êtes honnête. Je vous comprends, au moins vous êtes honnête ou ça vous pose problème. Au moins vous êtes honnête. C'est toujours mieux que de se faire traiter de bufflonne. C'était idiot. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est ce que vous faites et comment vous le faites qui importe. Juste une question. Quel est votre rôle dans tout ça ? J'aime qu'on me vénère, je veux la paix, je ne sais pas trop encore. Je veux la paix, évidemment. Je veux juste que cette guerre s'arrête. Que tout. Il est trop moche son maquillage. Une cause digne, que je défendrai volontiers. Personnellement, je veux juste retrouver les salauds qui ont tué la divine. Ils nous doivent des réponses. T'as bien raison, Blackwall. Ça, c'est un bon gars. Tiens, j'en bondis de joie. Des rumeurs parlent de camps de garde abandonnés dans la région. Si on a le temps, j'aimerais bien y jeter un œil, voir s'il y a quelque chose à récupérer. Vous êtes drôlement charmant. Menez l'enquête. Parlez-moi de la garde. Parlez-moi de la garde des ombres. Vous devez en oui, parce que c'est un membre de la garde des ombres, lui. Ah, les gardes. Je crains qu'on ne soit pas aussi fascinant qu'on en a l'air. Menez l'enquête. Quel est le rôle des gardes? L'enclin est terminé depuis plus de 10 ans. Que font les gardes quand ils n'ont pas de monde à sauver? Il y a toujours les engeances. On en a tué beaucoup à Ferelden. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Et le monde n'en est pas au point de pouvoir se passer de quelques justiciers. Parfois, il faut trouver soi-même le sens qu'on veut donner au serment de protection. Il n'y a pas que les archidémons et les enclins. Votre rôle dans l'enclin? Vous étiez où pendant l'enclin? J'étais à Ferelden, seul comme d'habitude. Il est petit. J'ai tué mon lot d'engeance de mon côté. Menez l'enquête. Pourquoi voyager seul? Vous n'avez eu aucun contact avec les autres gardes pendant longtemps. Pourquoi? Ça a toujours été comme ça. Le recrutement, c'est l'affaire d'un homme. Et puis, je suis un solitaire. C'est mieux pour tout le monde. Où sont les autres gardes? Donc vous ne savez pas où les autres gardes se trouvent? Ça n'a rien d'étrange. L'enclin est terminé, on n'a plus besoin d'une force organisée. Et les ordres ne changent pas vraiment d'un jour à l'autre. Depuis presque un millénaire, c'est la même chose. Trouver les engeances, tuez-les, réitérez autant que nécessaire. On en parlera plus tard. Bon, on continuera de parler plus tard. Est-ce que j'ai pris sa mission normalement? Si vous me cherchez, je serai là. Oui, c'est bon, j'ai pris sa mission. Oui. Non, je voulais pas lui parler. Je voulais voir en fait la maison derrière parce que je crois que j'ai jamais visité là ici. Erreur. Y a rien. Ça c'est réglé. quitte à être là, je vais voir si je peux modifier. Il est posé contre le mur. Ah, trop bien. Il est calé contre le mur quoi, trop cool. Ça c'est du PNJ naturel comme je raffole. Modifier les armures.
Ok, aucune armure disponible. Cassandra, armure d'avant-garde. Qu'est-ce que je peux lui modifier? Ouais, mais il y a déjà des choses, c'est dommage de modifier déjà quand il y a des choses, non? Ah, quoique ça s'améliore bien. Bras de côte d'avant-garde supérieur. Jambière de côte d'avant-garde. Non, non, en fait c'est bien. Et saut, je peux pas. Confirmer les modifs. Ensuite, Serra, il n'y a pas. Blackhole, il n'y a pas. Vivienne, il n'y a pas. Solas, il n'y a pas. Varric, il n'y a pas. Héraclea, il n'y a pas. Donc ça, c'est bon. Modifier les armures, c'est fait. Modifier les armes, maintenant. Bâton de feu d'archiviste, dague. Ah, le stylet d'exception, je peux. Poignée équilibrée. Ah, oh bah super, je peux juste retirer la poignée équilibrée, mais c'est pas intéressant. Bâton de feu d'archiviste. Ah, là je peux. Ouais, mais encore une fois. Je peux rien de spécial quoi. Ah si, pommeau rond solide, je peux. Je peux faire des choses, mais bon. Pas super intéressant. Non, je voulais pas quitter. Donc j'étais à Blackwall. Vivienne, sur son bâton, on peut faire quelque chose? Oui. Poignée nue. Ok, que dalle. Lame. Ah, plus de constitution, mais moins de volonté. Enfin, on lui retire carrément la volonté. Volonté, c'est quoi comme critère? Je sais plus. Après, c'est moins 2 de volonté, mais plus 7 de constitution, c'est quand même pas mal. Ça fait un joli bâton. Oh. Solas. Bah lui, il perd 3 en magie pour mettre 2 de volonté. Bah non, moi ça m'intéresse pas, ça, par contre. Varric. Bianca, évidemment, heureusement qu'on peut la... Bras. Arc. Oh, purée! Arc de Bianca 3. Wow, la vache, ça l'a boosté de ouf, la Bianca! Ah, bah oui, je confirme les modifications, ouais. Par contre, est-ce que j'ai modifié les changements là pour la demoiselle? Oui, apparemment. Ça, c'est cool! Je suis contente. Il fallait le faire. Du coup, on retourne à la côte orageuse. Et cette fois-ci, j'y vais par en faisant comme ça, parce que sinon je vais encore me planter. Ça va me changer de quête. On n'a rien vu. Augmente le mana ou l'endurance. Volonté, ok. Serra. Cassandra, parce que j'ai pas envie de changer non plus de la totalité de mon équipe en une fois. Et Cassandra et Serra, elles se parlent et c'est trop drôle. Ah, j'ai quasiment une full team fille. Bah attends, si je suis en full team fille. Ah, j'ai fait une équipe girl. Attends, parce que du coup j'ai Cassandra, Serra, Vivienne et moi. C'est girl power le machin. J'ai même pas fait exprès. Ah, parce que pour récapituler. Fille, fille, fille et fille. Ben moi je savais pas non plus, je t'avouerai. Apparemment un petit peu. Ah, il y a un crâne là-haut. Il y a des ennemis qui se battent en bas. Alors, c'est où les fragments? Ah, désolé pour le stream avec la pluie, ça fait dégueulasse. Ah, ça vibre par là. Ah non, c'est où? Mais pourquoi ça vibre plus? Bah mince, je l'ai perdu.
Ok, ou tant pis, hein, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Comment ça se fait que j'arrive pas à les trouver? Ah, en voilà un déjà. Parce que normalement, je galère pas autant pour trouver des fragments. Ah, en voilà un deuxième. Je suis pas sûr que le troisième soit par là. Il y a une statue là-bas. Par ici, non. Ah, ça vibre par là. Ça va être où? Ah, ça vibrait par ici il y a 2 minutes. C'est vrai que ça peut durer longtemps le combat en bas là. Ah mince, elle est où la troisième pierre? Ah, à côté de la statue au loin. Merci Black. À côté de la statue. Ah, d'accord, merci. Ah, je l'aurais pas cherché par là, tu vois, je te vois. Bah ouais, j'ai dû passer pas loin, mais non. Je me doutais bien qu'il y avait un truc autour de la statue, mais tu vois, j'ai loupé. Si gentil. Oui. Allez les filles, venez, on va à la guerre. Tiens, je me cache. Oh oh, ils sont niveau 20 quand même. Coucou. Tu veux voir mon pouvoir? Oh! Tu veux voir mes abeilles? J'adore le genre. Les abeilles, elles choisissent en plus. Iron Bull. Ah oui, il est au milieu là-bas. C'est trop drôle, le mec qui se fait pourchasser par les abeilles. Je sais pas si vous avez vu là derrière. Il en est entouré. Ah, c'est cool. Et un petit côté sadique, envoyer des abeilles sur les ennemis, c'est classe. Le body, il a fait un sacré coup de marteau, lui. Enfin, je sais pas quel coup il a mis, mais... Ah, Vivienne, c'était faible. Où est-ce qu'ils sont partis se battre? Ouah! Charge! Repos! Crème! Alors? 5 coups 6 blessés, patron. Pas de mort. Ça, c'est ce que j'aime entendre. Laissez les matadors finir et ouvrez les tonneaux. C'est quoi ce torse? Alors comme ça, c'est vrai. Oh, la chanterie doit vous adorer. Une mercenaire Kunari, messagère d'Andraste. Qui l'eût cru? Il va faire vachement macho dans mon équipe de filles, lui. Comment on va faire? Je vois que je ne suis pas la seule à bien m'en tirer. Je me débrouille. J'aime bien l'ironie. Il y a des grosses cornes, hein. Il y a quelque chose à compenser. Vous devez vous souvenir de Crémissus Aclassi, mon lieutenant. Ravi de vous revoir. Les matadors ont terminé, patron. Déjà. Revérifiez. Je veux pas qu'un seul de ces bâtards Tevinted s'en tire. Je parle pas de vous, Crème. Y a pas de mal. Au moins un bâtard sait qui est sa mère, contrairement à vous. Bon, vous nous avez vu combattre. On est cher, mais vous en aurez pour votre argent. En plus, faut le payer. Et je suis sûr que l'Inquisition a les moyens. Cher, c'est-à-dire? Combien ça coûterait, au juste? À vous, personnellement, ça vous coûterait rien. À moins que vous vouliez nous payer un coup après. Votre ambassadrice, comment c'est déjà? Joséphine, on passerait par elle pour les paiements. Mais vous en faites pas pour l'argent. Tout ce qui compte, c'est qu'on le vaut. Vous pourriez être utile, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. L'Inquisition a besoin de magie pour refermer la brèche. Pas de mercenaires. Eh, hey, tout le monde a besoin de mercenaires. Mais si vous cherchez autre chose, vous avez besoin d'un garde du corps d'envergure. Et je suis votre homme. Démon, dragon... C'est quoi son pantalon à la Obélix? Et une dernière chose. Je sais pas si ça va vous rassurer ou vous énerver. Les Ben Asrat, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout, mais apparemment mes parents m'en ont parlé, donc... Mes parents m'ont parlé d'eux.
Ce sont les agents chargés de contrôler et d'espionner les Kunari. Ouais, c'est bien eux. Ou plutôt, c'est bien nous. Les Ben Hasrat se méfient de la brèche. Une magie pareille, pas contrôlée, ça pourrait causer de sérieux dégâts. On m'a ordonné de rejoindre l'Inquisition, de me rapprocher de son commandement, et de rapporter ce qui se passe. Un espion. Mais je reçois aussi les rapports des agents Ben Hasrat dispersés à travers Orlaïs. Ah. Engagez-moi, et je partagerai tout ça. Arrière, sale espion. Vous êtes engagé. Ne me décevez pas. On ne veut pas de vous. Arrière, sale espion. J'aime bien le arrière, sale espion. Vous êtes un espion Kunari, et vous me dites ça comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé à ce conclave, mais ça n'avait rien de bon. Il faut refermer cette brèche. Donc tout ce qui importe, c'est que je sois de votre côté. Mais rien ne vous obligeait à me le dire. L'Inquisition s'appelle pas comme ça pour rien. J'aurais été démasqué tôt ou tard. Mieux vaut que vous la preniez par moi. C'est pas faux. Que rapporteriez-vous ? Qu'est-ce que vous raconteriez dans vos rapports ? De quoi satisfaire mes supérieurs ? Rien qui compromette vos opérations. Les Kunari veulent savoir s'ils doivent lancer une invasion pour empêcher le monde de courir à sa perte. Laissez-moi juste leur donner quelques informations, ça les rassurera. Tout le monde y gagne. Non, c'est pas faux. Que pouvez-vous nous dire ? Qu'est-ce que vous comptez partager de ces rapports des Ben Hasrat ? Les déplacements ennemis, les activités suspectes, les derniers ragots, un peu de tout. Comme ça, ça vaut pas grand-chose, mais si votre maître espionne fait bien son boulot, elle saura en tirer parti. Elle ? J'ai fait mes recherches. Et j'ai toujours eu un petit faible pour les rouquines. Le arrière, ça l'espion, il me fait rire. Ah, j'aime bien le ne me décevez pas. Vous faites valider vos rapports par Leliana et n'envoyez rien qu'elle n'ait pas approuvé. Si je découvre que ce n'était qu'une entourloupe, si vos rapports compromettent l'Inquisition, Cassandra vous arrachera les tripes. Rien de plus normal. Rem, dites aux hommes qu'ils pourront finir de boire sur la route. La charge vient d'être engagée. Et les tonneaux, patron ? On vient juste de les ouvrir. À la hache. Ouais, parce qu'en fait, on aurait pu embaucher que... Vous êtes des vintides, non ? Que Iron Bull et pas son vrai, groupe. On se retrouve à Dars. Bah, autant avoir la totalité, hein. Non, mais je veux mon équipe de filles pour le moment. Voilà, on a Iron Bull. Petit coup de tombe qui ? On va retourner à Golf Alva, là où il fait beau. J'aime beaucoup en tout cas toutes les missions secondaires qui déclenchent des missions avec les espions et vice versa. Ah, il y avait des trucs à fouiller là. Et vice versa. Oh. Ah, j'ai pas reconnu la voix, il fait quoi d'habitude lui ? Rends-moi l'objet. Rends-moi l'objet, le jeu. Je m'en fous que tu bugs, rends-moi l'objet. Ouais, Red Bull est avec nous. Donc on a dit qu'il fallait que j'aille à Golf Alva. Journal, la voie de l'Inquisition. Tractation secrète. Eh, parce que pour le moment, ils considèrent pas encore que j'ai rejoint le... Je pourrais encore rejoindre les Templiers si je voulais. Mais non, on a choisi les mages la dernière fois. Carte du monde. Les marches solitaires. Et du coup, ici. Village de Golf Alva. Se rendre sur place. Normalement, ça me fait chier de devoir le payer, quoi. Oh, non mais. Ah, d'accord. Ah, bah merci pour les infos, Anna. Putain, c'est ouf comme elle ronfle. Elle continue de ronfler. Hein. Comme une bienheureuse. C'est long à charger Golf Alva. Wow. Enfin. Je parie qu'il y a quelque chose ici.
Comment ça? Par là? Ah, mais c'est dans la maison fermée à clé. Je pense. Ah non, c'est là. Attends, c'est où? Mais j'ai pas la clé de cette maison. Ah, mais elle est où l'entrée? Non, c'est de l'eau, là, c'est de l'eau, c'est de l'eau, non! M'aidez pas les autres, surtout. Non, mais tant pis, hein. Je pense pas que je vais pouvoir rentrer de toute manière. Parce que ça me montre clairement l'intérieur. À tout nécessaire, doigt agile, outil de qualité. Ok, allez, salut. On sera pour plus tard. Bon, alors on va faire de l'histoire, là. Fini de s'amuser. Ah, j'ai juste une quête à rendre, je crois. Parce que du coup, j'ai mis des fleurs sur une tombe, alors je vais juste récupérer mes objets, mon XP, mon or, je ne sais pas. Je suppose que vous n'avez toujours pas vu le sanctuaire de ma chère Senna. Je sais que ce n'est pas tout prêt. J'ai fait le nécessaire. J'ai nettoyé le sanctuaire de Senna et j'ai déposé vos fleurs. Puisse Falandine trouver ses cendres et les porter en lieu sûr. C'est elle qui m'aura guidé durant de longues années. Merci du fond du cœur d'avoir aidé le pauvre homme que je suis. Merci. Que votre inquisition soit aussi bénéfique à cette région qu'elle l'a été pour moi. De rien. D'accord. Il aime bien les gros bras, quoi. Là, c'est pas une montée, non? Je pense pas que j'ai des choses à vendre, hein, puisqu'on l'a fait il y a pas longtemps. Non, c'est bon. Ah, une quête ici. Je fais pas souvent les boutiques d'ailleurs, je fais souvent avec ce que je ramasse. Jimmy le borgne. Excusez-moi, vous faites partie de l'Inquisition? Lors de votre périple, vous n'auriez pas croisé par hasard un bélier un peu différent? Monseigneur Tricot s'est enfui et il est unique en son genre. Monseigneur Tricot? Si vous le retrouvez, je vous en serais très reconnaissant. Unique en son genre? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui fait que ce bélier est unique en son genre? Eh bien, il a toujours porté chance à ma famille. On doit une bonne partie de notre fortune à ses conseils. Conseil d'un bélier? Vous a donné conseils. C'est un bélier très spécial. Votre bélier a disparu? Oui. Je suis convaincu que si vous lui dites qu'il manque à son Jimmy, il reviendra immédiatement. Il est sans doute à notre vieux chalet de vacances, au bord du lac des collines du sud. Si vous le croisez, dites-lui de rentrer. Je vous récompenserai grassement. Un bélier. On se reparlera plus tard. Si vous trouvez mon bélier, dites-lui de rentrer. Si vous trouvez mon bélier, dites-lui de rentrer. Un bélier. Ah, une chanson, un coffre. Charme de gland de bronze. Un nom bizarre. Voilà, on est à la taverne. La mouette et la lanterne. Oh, tout ce qu'il y a à lire. Girl power. Ça doit être sympa de doubler des jeux. Faut avoir fait du théâtre par contre. Bienvenue, agent de l'Inquisition. Tox, voilà. T'es pas un wesh, Blackie, on t'a bien dit. Première enchanteresse Vivienne. Ma chère Fiona. Il y a une éternité. Oh la gueule avec son armure. Vous avez une mine affreuse. Vous dormez bien? Qu'est-ce qui vous amène à Golfalo? Ah mince, j'aurais pas dû emmener les deux là. Elles sont ennemies. Ah ouais. Parce qu'en fait parce que la petite brunette, l'elfe là, c'est une mage renégat. Sauf que Vivienne, c'est l'inverse d'une mage renégat. Enfin, j'ai fait une boulette.
Vous m'avez convié. Nous honorons l'invitation que vous nous avez lancée à Val-Royau. Vous devez faire erreur. Je n'ai pas mis les pieds à hein? Val-Royau depuis avant le conclave. Alors qui était-ce? Il y a un truc qui cloche ou c'était vous, c'est sûr? Il y a un truc qui cloche. Eh bien, c'est bizarre. Parce que j'ai parlé à quelqu'un qui vous ressemblait comme deux gouttes d'eau à Val-Royau. Comme deux gouttes d'eau? Sûrement un tour de magie, mais pourquoi quelqu'un... Je ne sais pas quelle est la personne ou la chose qui vous a fait venir ici, mais la situation a changé. Les mages libres ont déjà prêté allégeance à l'Empire Tevintid. Ma chère Fiona, vous perdez la tête. Une alliance avec Tevinter? Vous n'avez pas peur que tout Edas se révolte? Étant maintenant sous les ordres d'un magistère, je ne suis plus habilité à négocier avec vous. C'est une grave erreur, et qu'il l'est, vous oubliez la brèche, ils n'ont pas perdu de temps. Vous oubliez la brèche? Et qu'est-ce que vous faites du trou géant dans le voile et de tous ces démons qui en sortent? Vous comptez faire comme s'ils n'existaient pas? Je n'oublie pas la brèche, mais on ne peut livrer qu'une guerre à la fois. La menace des Templiers était urgente. Pour s'inquiéter de la déchirure du voile, il faut déjà survivre. Ah, moi j'aurais dit l'inverse. Bienvenue, toutes mes excuses pour ce retard. Agent de l'Inquisition, permettez-moi de vous présenter le magistère, Géréon Alexius. Les mages du Sud sont sous mes ordres. Et vous, vous êtes la survivante de l'immatériel, c'est ça? Ta capuche, elle est trop moche. Menez l'enquête. Parlez-moi de cette alliance. J'aimerais en savoir plus sur cette alliance entre Tevinter et les mages rebelles. Bien sûr. Que souhaitez-vous savoir? Fiona, où est le Jarl? À quoi remonte cet accord? Qui gagne Tevinter? Quel intérêt pour Tevinter de prendre les mages rebelles sous son aile? Pour le moment, les mages du Sud nous coûtent cher. Mais une fois leur entraînement terminé, ils rejoindront notre légion. Vous aviez dit qu'ils ne seraient pas tous dans l'armée. Il y a des enfants, ils ne peuvent pas. Et un jour, je suis sûr qu'ils seront tous des citoyens productifs de l'Empire, une fois leurs dettes payées. T'as fait une erreur, Fiona. La grande enchanteresse dit être sous les ordres d'un magistère. Nos camarades sudistes n'ont aucun statut juridique à Tevinter. N'étant pas nés citoyens de l'Empire, ils doivent s'acquitter de 10 années de service avant de jouir de tous leurs droits. Mon rôle est de les protéger et de superviser leur travail. La gueule qu'elle fait. Elle est dégoûtée. À quoi remonte cet accord? Et quand est-ce que vous avez négocié cet arrangement avec Fiona, au juste? Après la destruction du conclave, ces pauvres mages ont été victimes de la brutalité des Templiers, qui se sont empressés de les attaquer. Ce ne peut être que l'œuvre du destin, si je suis arrivé à temps. C'est bien manipulation. Tombé. Ça, c'est sûr. Où est le Jarl? Je n'ai vu aucune trace du Jarl de Golfalois ou de ses hommes. Le Jarl de Golfalois a quitté le village. Le Jarl Tigan n'a pas abandonné ses terres pendant l'enclin, même lorsqu'elles étaient assiégées. Il y avait des tensions grandissantes. Je voulais éviter un incident. Négociant, vous êtes loin de chez vous? J'ai besoin des mages. J'aimerais bien lui dire, vous êtes loin de chez vous, genre. Attention à, à tes fesses. Bien loin de Tevinter, Alexius. En effet, mais je crois savoir que vous n'êtes pas non plus de Ferelden. Nous sommes tous les deux étrangers ici. Félix, pourrais-tu appeler un scribe, s'il te plaît? Oh, pardonnez mes manières. Camarade, mon fils Félix, je ne suis pas surpris de votre venue. Contenir la brèche est une prouesse que peu oseraient tenter. Qui sait combien de mages seront nécessaires pour une telle entreprise? C'est ambitieux, c'est sûr. Vous voulez bien nous aider? On voit les choses en grand, toute aide est la bienvenue. On voit les choses en grand. C'est que... quand on se bat contre un trou dans le ciel, on est un peu obligé de voir les choses en grand. Il devra y avoir... Qu'est-ce qui se passe? Oula! Félix! Toutes mes excuses. Pardonnez ma maladresse, noble dame. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, père. Viens, je vais chercher tes remèdes. Veuillez m'excuser, camarade. Nous reprendrons plus tard. J'ai cru que quelqu'un l'avait, Fiona, poignardé. J'ai besoin de vos services au château. Je ne veux surtout pas déranger tout le monde. Je recontacterai l'Inquisition.
Nous terminerons cette affaire un autre jour. Ah, il lui a donné... à la chanterie, vous êtes en danger. Il lui a donné un papier ? Venez à la chanterie, vous êtes en danger. Ça pourrait être un piège, je vais enquêter. On usera de prudence, mais on doit éclaircir cette histoire. Ah, d'un coup, il y a plein de monde dans le truc. Linéa, c'est qui ? On n'a pas besoin de vous ici. Votre inquisition n'est ni plus ni moins qu'une bande de templiers. Menez l'enquête, parlez-moi de vous. Qui êtes-vous ? Linéa. Juste Linéa. La voix est trop basse. Vous préférez Tevinter ? Vous préférez vous incliner devant Tevinter que de rejoindre l'Inquisition. Ne me dites pas que vous avez avalé les mensonges de la chanterie sur les méchants Tevintid. Juste parce que des mages sont au pouvoir. Personne ne veut voir la réalité en face. Leurs mages sont libres et le monde continue de tourner. Et la magie du sang ? Les magistères invoquent des démons et pratiquent des sacrifices humains. La chanterie invente tout et n'importe quoi pour nous faire peur. La magie du sang est une arme comme une autre. Les gens n'aiment pas l'idée qu'on puisse contrôler leurs pensées. Mais quand il faut lancer des boules de feu, ils sont bien contents de nous avoir. Quand il faut lancer des boules de feu, ils sont bien contents de nous avoir. Et ça marche. Je veux aider les mages. C'est faux, vous avez besoin de moi. Je veux aider les mages. Je suis là parce que je crois en la liberté des mages. Ah merde, Cassandra désapprouve. Moi j'aurais dû mettre vous avez besoin de moi. Mince, désolé Cassandra, elle a pas aimé ce que j'ai mis. Il y a quelque chose, non ? Ah oui, il y a quelque chose. L'oblitération de machin. Les voyants et le toussia. Ah, bougez ! Là, il y a quelqu'un qui regarde un mur, ok. Là, il n'y a rien. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans la... Ah, derrière. C'est qui, Talwin ? Là, il y a un livre. Les corbeaux et la reine Biduchouette. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Tu m'étonnes. Menez l'enquête. Parlez-moi de vous. Vous n'aimez pas Tevinter ? Parlez-moi de l'Alliance. Parlez-moi de l'Alliance. Comment la grande enchanteresse en est venue à s'allier à Tevinter ? On était en train de se préparer à une attaque des Templiers. Et tout à coup, on s'est retrouvés alliés au Magistère. Comme ça, sans prévenir. Ça nous a sauvés, en quelque sorte. Et c'était se relever pour mieux tomber. Ça, c'est sûr. Parlez-moi de vous. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Talwin, du cercle des mages d'Osberg. Qui êtes-vous ? Alors pourquoi être ici ? Vous n'aimez pas Tevinter ? Si vous étiez heureux dans le cercle, pourquoi vous êtes là, avec les rebelles ? On est tous des rebelles, maintenant, depuis le vote. La majorité voulait dissoudre les cercles. Le reste d'entre nous a suivi ou a été écarté. Heureusement que certains sont encore loyaux à l'impératrice. Je me suis dit que je serais mieux avec mes camarades que tout seul. Vous n'aimez pas Tevinter ? Vous n'êtes pas satisfait de cette nouvelle alliance ? Avec ou sans magie, je préfère faire partie des gens honnêtes que de m'allier à ces magistères. Faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Les Tevintid ne doivent pas être ravis que vous posiez toutes ces questions. C'est dommage qu'il y ait un problème de mixage audio comme ça. Je ne peux pas parler à tous les mages de l'endroit. J'ai mieux à faire, faut que je fouille les cuisines. Ah, il y a une porte qui sort après. Ah non, c'est de la déco. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Le magistère Alexius n'apprécie pas les gens sans magie comme vous et moi. N'espérez pas rester longtemps. De nombreux villageois sont déjà partis pour échapper à son courroux. Pourquoi désapprouve-t-il les gens qui n'ont pas de magie ? Le magistère a contre vous. Il n'aime pas qu'on lui rappelle ce que les mages peuvent devenir. Il veut que tous les apaisés quittent Golfalois.
Mais qui voudrait de nous ? Les apaisés, c'est les mages qui n'ont plus de magie, je crois. Vous êtes un apaisé ? Que sont les apaisés ? Ce sont ceux qui, comme moi, n'ont pas la volonté nécessaire pour se protéger des démons. Plutôt que de risquer qu'ils s'emparent de moi, le cercle a préféré rompre mon lien avec l'immatériel. Ma magie a disparu. Et avec elle, mes rêves et mes désirs. Ceux qui se sont installés à Golfalois préfèrent nous ignorer. À propos de ces Tevinted. Les Tevinted sont là depuis combien de temps ? Le magistère Alexius est arrivé à la tombée de la nuit, 2 jours après notre départ du Saint-Temple Cinéraire. Il a forcé certains non-mages à le servir et à chasser tous les autres du château. Même le Jarl a été évincé. Ouais, c'est bizarre ce que Tevinted est en train de faire au village. Un instant. Vous êtes membre de l'Inquisition, n'est-ce pas ? Je suis alchimiste. Vous devez avoir besoin de potions. Puisque le magistère ne veut pas de moi, je pourrais vous offrir mes services. On n'a pas besoin de vous, rejoignez-nous. Ah, mais comme quoi, il faut parler à tout le monde, hein. Merci. Parce que sinon, je serais passé à côté de ces personnages-là. Toujours se rendre utile. C'est ouf. J'ai failli passer à côté, c'est dingue. Ah bah maintenant, je vais parler à tous ceux à qui je peux parler, hein. Putain, j'aurais raté un maître des potions. La boulette. Je sais pas s'il y a une personne dans le monde qui a lu tous les textes de Dragon Age. Je me demande. T'as la petite langue qui sort, ma chérie. Oh oui. Ma chérie, quand t'es dans trop longtemps, la langue qui part. Elle part en avant. Du coup. Ouais, les fans hardcore de la série. Ah, ça va aider automatiquement à des points de l'acquisition. Mais c'est trop bien. C'est encore mieux que ce que je pensais. Retrouver Félix à la chanterie. Ah, c'est pour ça que j'ai des points d'acquisition qui sont validés alors que j'ai pas mis de points dedans. Oh, trop cool. Oh, les choses. Merci pour l'info, en tout cas. Bah, j'y étais il y a 2 minutes, ici. Il y en a encore une troisième. Ah, c'est trop bien. Je me disais aussi. Mais j'ai l'impression que j'ai pris pas mal d'espions, parce qu'au niveau secret, j'ai plein de trucs. Est-ce que je dois parler vraiment à toutes les personnes qui ont un X au-dessus de la tête, là ? On va parler à elle alors. Bonne journée à vous, mon enfant. Menez l'enquête. Vous soutenez les mages ? Vous travaillez pour la rébellion des mages ? Les mages sont les enfants du Créateur. Et c'est dommage que les textes des espions, des agents comme ça, ils sont trop basses, la voix. Ils vous aident contre les cercles ? Donc, vous pensez qu'ils doivent être libres ? À choisir entre le cercle et la mort. La plupart des mages ont préféré renoncer à quelques petites libertés pour avoir la sécurité. Mais le vent a tourné. Coucou, Captain. Il semble maintenant qu'aucune restriction n'en vaille la peine. Je crois qu'on devrait leur laisser une chance de montrer qu'ils méritent leur liberté. Menez l'enquête. Vous êtes toute seule ici ? Je ne vois pas d'autres prêtres dans le village. Où est passé tout le monde ? Le magistère nous a invités à partir, par souci de sécurité. Mais j'ai refusé. S'il veut me mettre dehors, il peut venir s'en charger lui-même. D'ici là, je continuerai de m'occuper de mes ouailles. Vous soutenez cette alliance ? Qu'est-ce que vous pensez de la collaboration entre les mages et Tevinter ? L'Empire a brûlé Andraste. Depuis, nous avons mené 4 marches exaltées contre eux. Et pourtant, à chacune d'entre elles, ils ont reconnu l'existence du Créateur. Maintenant, quand je parle de lui, les magistères se gaussent. Il s'est passé quelque chose, et j'ai peur d'imaginer quoi. Au revoir. Je vous laisse à vos devoirs. Puisse le Créateur veiller sur vous, mon enfant. T'inquiète, mais aussi, c'est souvent les Pokéstops, c'est souvent des croix, des églises, tout pareil. Quoique chez Zouk, c'est souvent des parcs pour enfants. Peut-être quoi se poser des questions.
Chanterie du village de Golfalois. Bah, c'est l'église, quoi. Dans l'église. Enfin, vous voilà. Un petit coup de main pour fermer ça, ce ne serait pas de refus. Ah, il y a un petit problème de son. Perturber la faille. La baston, la baston. Eh, il a l'air cool, lui, j'aime beaucoup. Dorian, ok. Aider l'homme étrange à fermer la faille de l'immatériel. Non, je veux mon loot, moi, je veux mon loot. Dire. Oh, il y a des trucs là. Je sais, c'est pas le moment. Oh, on essaye de m'attaquer en même temps, sérieusement. Non, mais oh. Perturber la faille. Ah, d'accord. Mais ça veut dire que ça fait encore un match de plus, quoi. Fermez la faille. Une faille, et alors, j'ai des copains pour ça. Ah, il est stylé, lui. Fascinant. Et comment ça marche, au juste? Vous ne savez pas, c'est ça? Vous vous contentez d'agiter les doigts et boum! La faille se ferme. Qui êtes-vous? Ah, les formalités d'usage, je les oublie toujours. Qui êtes-vous? Dorian de la maison Pavus, venu tout droit de Minrati. Pavus comme Manus? Encore un Tevinted. Méfiez-vous de celui-là. Vos amis sont bien suspicieux. Alexius était mon mentor autrefois. Donc mon aide vous serait plus que précieuse, comme vous pouvez l'imaginer. Mener l'enquête. Oui, Félix. Je pensais que Félix serait là. Il ne va sûrement pas tarder. Il devait vous transmettre le message et nous retrouver après s'être débarrassé de son père. Mais pourquoi? Félix a un problème? Alexius s'est précipité pour aider Félix quand il a fait semblant de défaillir. Il y a quelque chose qui ne va pas? Il traîne une maladie depuis des mois. Félix est fils unique et Alexius joue les mères poules, c'est tout. Vous êtes un magister? Vous êtes un magister? Je suis un mage. Je viens de Tevinter, mais je ne suis pas membre du Magisterium. La nuance est là. Je sais que les sudistes ne font pas la différence, mais si vous ne voulez pas passer pour des barbares, attention à ce que vous dites. Quelle grandiloquence! Pourquoi nous aider? Quelle grandiloquence? Le message était où? Quelle grandiloquence? Arrêtez de parler comme si vous attendiez des applaudissements. Expliquez-moi juste la situation. Ah bon? Pas d'applaudissements? Soit. Bon. Vous devez bien savoir qu'une menace plane. Ça devrait être évident, même sans le message. Pour commencer, il y a Alexius qui vous a coupé l'herbe sous le pied en ralliant les mages rebelles. Ça, c'est vrai. Comme par magie, exactement. Pour atteindre Golfalois avant l'Inquisition, Alexius a altéré le temps. Ça ne m'inspire rien de bon. Ouais, c'est clair. J'espère que c'est moins dangereux que ça en a l'air. Au contraire. Manipuler le temps? Beaucoup s'y sont essayés. Mais nul n'a encore réussi. La faille que vous avez refermée, vous avez vu comme elle a déformé le temps autour d'elle, accéléré certaines choses et ralenti d'autres. Bientôt, il y en aura d'autres comme ça, de plus en plus loin de Golfalois. La magie qu'utilise Alexius est extrêmement instable et elle est en train de bouleverser le monde. Elle est en train de bouleverser le fond de l'image aussi. Hein. C'est dur à avaler, vous avez des preuves? Vous avez des preuves, ouais, c'est bien. La magie temporelle, bon sang, mais c'est bien sûr. Et sinon, vous avez des preuves? Je sais de quoi je parle. J'ai participé au développement de cette magie. Quand j'étais encore son apprenti, ce n'était que de la théorie. Alexius n'arrivait pas à l'appliquer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il fait ça. Déchirer le temps juste pour quelques centaines de laquais? Il ne l'a pas fait pour ça. Ce n'est pas trop tôt.
Il se doute de quelque chose? Non, mais je n'aurais pas dû jouer le malade. J'ai cru qu'il allait passer sa journée à mon chevet. Mon père a rejoint une secte de suprémacistes Tevintid, qui se fait appeler les Venatori. Une secte, ok. Et je peux vous dire une chose. Tout ce qu'il a fait pour eux, il l'a fait pour vous atteindre. Menez l'enquête. Pourquoi vous dites ça? Alexius est votre père. Pourquoi comploter contre lui? Pour la même raison que Dorian. J'aime mon père et j'aime mon pays. Mais ça, cette secte, cette magie temporelle, c'est de la folie. Pour son propre bien, il faut l'arrêter. Et si on pouvait éviter qu'il fasse un trou dans le temps, ce serait bien aussi. Un trou dans le ciel, ça suffit. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi altérer le temps et rallier les mages rebelles juste pour m'atteindre? Vous êtes l'objet de leur obsession. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous avez survécu au Saint-Temple cinéraire. Vous avez le pouvoir de refermer ces failles. Il y a peut-être un lien. Ou peut-être qu'ils vous voient comme une menace. Si les Venatori sont responsables de ces failles ou de la brèche, ils sont encore pires que je le pensais. Ça serait. Comment l'arrêter? Je suis flatté, il ne me fait pas peur. Comment l'arrêter? Des suggestions? Vous savez qu'il vous a prise pour cible. S'attendre à tomber dans un piège, c'est la première étape pour tourner la situation à votre avantage. Je ne peux pas rester à Golfalois. Alexius ne sait pas que je suis là, et je veux que ça continue. Mais quand vous serez prête à agir, je veux être là. Je vous tiens au courant. Oh, et Félix, tâchez de ne pas vous faire tuer. Il y a des sorts pires que la mort, Dorian. Elle est trop bien, cette phrase. Il y a des sorts pires que la mort. Voilà, maintenant je peux looter. Ah, s'il y a du loot, parce que j'ai pas envie. Pourquoi Vivienne s'est pas guérie? Elle a pu... Bah si, elle a des potions pourtant. Dommage, j'ai l'impression que j'ai tout pris. Non, c'est une porte qui est bloquée. Là, j'ai déjà fouiné pendant le combat. J'ai gagné du temps. Et là, c'est une porte qui est bloquée aussi. Ok, j'ai tout. C'est bon, j'ai tout, on peut ressortir. Retourner au centre de commandement. Ok. Bah, allons-y gaiement. Là, les gens, ils vont peut-être vouloir parler. Je ferai un petit tour d'horizon. En général, c'est rapide s'ils ont rien à dire. Se sont alliés à Tevinter et ont rejoint une secte. Je suis impatiente de voir ce qu'il va se passer ensuite. Les flèches. La suite, c'est les flèches. Les flèches. La suite, c'est les flèches. Elle est géniale, Sarah. Elle me vend du rêve. Retour à Darth. Araignée géante. Ouh. Oh, j'aime bien l'explication des monstres avec... Putain, Black, il était sérieux. J'en ai encore, pour preuve. Igloo. Ouais, ça fait du bien, je bois pas assez. Mais bon. Alors. Donc Blackwall, à mon avis, il a plus rien à nous dire. Ah, Iron Bull, il est là. Bah, lui, il va falloir causer, je pense. Cullen met son entraînement de Templier à profit. Comment savez-vous ça? Cullen vous a dit qu'il était Templier? Il ne porte pas l'armure. C'est peut-être pas un bouclier de Templier, mais il le tient comme un Templier. Il oriente le bouclier légèrement vers le bas. Ça permet de dévier le feu ou l'acide sans en prendre en pleine face.
Les Kunari apprennent la même chose à l'entraînement de combat contre les mages Tevinted. Votre Templier fait du bon boulot. Vous pouvez toujours l'aider. On dirait que vous avez envie d'aller donner quelques conseils aux troupes. Non. Pour donner des ordres, j'ai besoin de savoir avec qui couchent mes gars et ce qu'ils aiment boire. L'Inquisition est trop grande pour ça. La charge me suffit bien. Pour l'instant, le plus gros problème pour l'Inquisition n'est pas au front, mais au sommet. Vous n'avez pas de chef, pas d'inquisiteur. Liliana est notre chef, c'est nécessaire. Et si c'était moi, on a Cassandra, Cullen, comment les troupes. C'est vrai qu'on n'a pas de chef. Cassandra, c'est peut-être qui ressemble le plus à une chef. Est-ce que je lui demande si c'est nécessaire? Oui, j'imagine que c'est nécessaire. Non, si c'était moi, non, on a Cassandra. Cassandra est la force motrice de l'Inquisition. Elle a tout d'un chef, sauf le nom. Cassandra est une chercheuse. Si je comprends bien, c'est un peu comme un Ben Hasrat. Elle sait chasser et se battre, mais elle voit pas tous les enjeux. Elle veut juste des réponses. Mon peuple choisit pas ses chefs parmi les plus forts, les plus intelligents ou les plus talentueux. On choisit ceux qui sont prêts à prendre les décisions difficiles et à en assumer les conséquences. Ah, et puis si ça se trouve, vous allez refermer la brèche, la chanterie va sortir les doigts du cul et ses soldats vont pouvoir rentrer chez eux. Vous croyez? La chanterie va sortir ses doigts du cul. Il y a peu de chance, mais on sait jamais. J'adore. C'est tout ce qu'il a à dire? Je peux vous aider. Menez l'enquête. Parlez-moi des Ben Hasra, parlez du fait d'être Kunari. Pourquoi Iron Bull? Comment avez-vous pris le nom d'Iron Bull? Je l'ai choisi. Vous savez comment ça marche. Vous avez grandi en tant que Tal Vashov, mais vos parents ont bien dû vous expliquer des choses, non? Pas de nom. J'imagine que vos parents ont choisi de la même façon. Adar, c'est pas mal, au fait. Arme. Ça me plaît. Et pourquoi ce nom? Mais pourquoi Iron Bull? Ça va peut-être vous étonner, mais j'adore taper sur des trucs. J'adore taper sur des trucs. En fait, c'est Bull. Iron Bull. J'aime bien répéter Bull avant. C'est comme si j'étais pas quelqu'un. Juste une arme, sans volonté. Un outil de destruction. Je trouve que ça me va plutôt bien. Parlez-moi des Ben Bidules. J'aimerais en savoir davantage sur votre travail avec les Ben Hasrat. Ben Hasrat, c'est un terme générique. Il y a la police secrète qui enquête sur les problèmes dans notre territoire. Il y a les rééducateurs qui prennent les gens qui ont des problèmes pour retaper leur esprit. Ou les faire disparaître. Et il y a les espions. Des rééducateurs? Comment les rééducateurs travaillent-ils? Je connais que les bases. C'était pas mon domaine. Cela dit, empêcher quelqu'un de dormir assez longtemps, poser les bonnes questions, donner les bonnes potions, et il vous dira ce que vous voulez. Pas besoin de magie du sang ni de démons pour altérer l'esprit de quelqu'un. On est bien plus fragile qu'on croit. J'ai entendu des rumeurs. Mes parents m'ont raconté ce que faisaient les rééducateurs. Ouais. Vous avez de la chance que vos parents aient réussi à s'échapper. Les esprits faibles sont modelés pour revenir dans les clous. Les esprits forts comme le vôtre, ils vous auraient donné un poison appelé Kamek. Vous auriez été une travailleuse heureuse et polie pour le restant de vos jours. Et vous auriez eu un assistant pour vous donner à manger et vérifier que vous vous soyez pas chié dessus. Aucun ne vous ressemble. Rien de tout cela ne vous ressemble. Ouais, j'étais un cas à part. On m'a envoyé à ces hérons parce qu'il leur fallait quelqu'un pour se battre et résoudre les problèmes. Cette île était un panier de crabes. Les incursions des Tevintar, des Tal Vashov et les rebelles autochtones qui combattaient les deux autres. Et au milieu, il y avait moi. Avant d'essayer de botter le cul des rebelles et de restaurer l'ordre. Ça a dû vous plaire. Ça n'a pas l'air facile, ça a l'air inextricable. Ça a dû vous plaire, je pense. Vous avez l'air d'apprécier les bonnes bagarres. Les bonnes bagarres, c'est une chose. Trouver qui a mis de la morora dans le pain et tuer les gamins en est une autre. J'ai traqué un paquet de rebelles. J'ai perdu beaucoup d'amis aux mains des Tevintar, des guerriers de la brume ou des Tal Vashov. Je me suis réveillé un beau matin et j'ai trouvé aucune raison de continuer à faire mon boulot. Alors je suis allé voir les rééducateurs. C'était courageux, sachant ce qu'ils faisaient. Vous saviez ce que les rééducateurs faisaient aux prisonniers? Ouais, je savais. Je voulais qu'ils me retapent comme ils les retapaient. Les Ben Hasrat m'ont ordonné d'aller travailler à Orlaïs en tant qu'agent secret, en me faisant passer pour un Tal Vashov. C'est comme ça que j'ai atterri ici. Et là, un cœur. Et je vous ai rencontré. Ça a dû être vous, c'est intéressant. Merci pour ces renseignements, Boule. De rien, chef. C'était sympa de discuter avec vous. De rien, chef.
Ouais, c'est intéressant. Blackwall, à mon avis, il a rien à nous dire. Vous êtes drôlement charmant. Mais arrête de vouloir draguer partout. Tout le monde parlera un peu de vous, votre avis sur l'Inquisition. On lui a pas demandé déjà tout ça, nous parlerons plus tard. Plus tard peut-être. Cassandra, que l'on a raconté. Oui. Menez l'enquête. Parlez-moi de vous, des chercheurs, je suis truc. Non, là, rien de spécial. Merci pour ces infos. Que des choses que je connais déjà. À bientôt alors. En général, ça s'active dès qu'on leur parle s'ils ont un truc en particulier à nous dire. Cullen. Oui. Oui. Avez-vous quelqu'un? Y a-t-il autre chose? Menez l'enquête, ce sera tout. Parlez-moi de vos collègues ou. Non. C'est tout pour le moment. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire. C'est dommage que les voix soient mal mixées. Des fois, elles sont vraiment trop basses. C'est vraiment dommage. Je suis pas allé chercher son bélier. C'est vrai que la mission de merde, quoi. Il y a quelque chose dans la cage. Ah ouais. C'est quoi? Un oiseau. D'ailleurs, son bélier, il est où, lui? Je sais plus où c'était. Journal. Ça va être où, ça? Où est-ce qu'il s'est barré, son bélier? Voilà, pour trouver Seigneur Tricot. C'est dans les marches solitaires. Ah, Tricot, ça me fait penser en plus à Tricot dans Last Guardian. Comme il n'existe qu'un monde. Tricot. Bonne journée. Il y a une tête par ici. Non, c'est l'autre côté. Varric, à mon avis, il va rien avoir à nous dire. Besoin de quelque chose? J'ai une question personnelle, mais non, rien de spécial. Merci, Varric. Il fait rien depuis le début. Merci, Varric. C'est très important que vous soyez avec moi. Plus grande folle. Combien vous en fallait-il? À votre service. C'est pas formidable? Vous ne convenez pas à mener enquête, je vous laisse. Je vous laisse. Je reviendrai si j'ai besoin de vous. Pas de soucis. Peut-être que ça a rien déclenché au niveau des discours. Je ne dis pas que la chanterie ne fait pas du bon. Lui que dalle aussi. Nous parlerons plus tard. Parlons plus tard. Ils en avaient rien à se dire. Il y a rien là. Ici, normalement, il y a l'autre qui a rejoint. Ben, il est peut-être c'est pas là. Me trouver ce que je cherche, je paierai cet enfoiré moi-même. Fais améliorer les potions. Je suis pas sûr que j'ai des potions améliorées, mais bon. Ça remarque, je peux le faire en dehors des lives. Je vais le faire en dehors des lives. Pouf pouf pouf. Eh ben, il reste les Liana. C'est bizarre que personne réagisse à ce qu'on a fait là. Bizarre, bizarre. Blackwall ne semble rien savoir de la disparition des gardes des ombres. C'est décevant. Cela dit, je me réjouis qu'il nous accompagne. Même s'il n'est pas vraiment ce que j'attendais. Il a l'air honnête. Et son expérience sera un atout pour l'Inquisition. Quant aux autres gardes, je crois qu'on va devoir poursuivre nos recherches. Menez l'enquête. Vous avez... Bah voilà, c'est tout. Elle veut juste me dire ça. Travail. Parce que c'était déjà pas mal. Ici, on a qui Vivienne, je crois. Oui. Oui. Parlez-moi du cercle, parlez-vous, pensez qu'on pourrait... Non, j'ai pas encore choisi avec qui je veux draguer, enfin, avec qui je veux sortir. Il vous fallait autre chose, révérende mère? Dites à Sigrid que j'ai reçu la permission de lui vendre quelques articles. Salutations. Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qu'on dit de nous? Nous avons la faveur de la plupart des grandes familles. Nous saurons leur rappeler. Ouais, y'a rien nous de plus simple. Plus tard. Au revoir. Est-ce que je peux lui faire une petite avance? D'où vous connaissez-vous? Qu'est-ce qui vous emmène? Non, que dalle. Nous parlerons plus tard. Au revoir. Au revoir.
Allez, on a fini, fait le tour des popotes, on va y retourner. Alors je fais ça parce que c'est pour éviter de rater des morceaux de dialogue et tout. Puissance 68, pas dégueu. Régler la succession de lead. Un cadeau pour Bianca, rapport prêt. Module de visée. Ouh. Enquêter sur les étranges symboles tracés à la crise. Ça m'intéresse. Dame Caprina rapporte avoir passé un très agréable moment en prenant le thé avec la comtesse. Elle a retranscrit leur conversation. Le triangle, oh, je m'en souviens très bien, dessiné dans l'un de mes registres comptables par un marchand anti-vent qui voulait me vendre un navire. La transaction a immédiatement échoué. J'imagine qu'ils attendaient une autre réaction de ma part en voyant le symbole. En prenant le congé, il m'a glissé. Ne soyez pas si pressé de prendre la mer, madame. Ceux qui vivent par-delà les océans arriveront bien assez tôt. C'est tout ? C'est vachement mystérieux tout ça. Régler la succession de leads. Fragment d'un rapport de renseignement. Ben Asra concernant la guerre de succession qui fait rage à Lead, duché privé de seigneur depuis la mort du duc Romache au début de la guerre civile orlésienne. Bon, bah, pff, ça c'est juste une succession à régler. Je peux détruire le mariage de Carolina en 4 mots avec le bon gant oublié non négligeablement au bon endroit. Ouais. Commençons. J'ai un avantage sur les missions de diplomatie parce qu'elle dure moins longtemps que les autres. Alors quand je peux envoyer la diplomate... Dresser des tours de guet, c'est bon, c'est fini. Grâce aux tours de guet, nous sommes avertis à temps des attaques de démons et des bandits. La région est plus sûre aussi bien pour les réfugiés que pour les fermiers qui avaient fui les champs. Merci beaucoup, sœur, ça fait plaisir de voir que l'Inquisition est prête à donner son temps pour aider les gens. Oui. Récompense obtenue. Je sais pas, une image. Ouais, j'ai eu une image, super. Améliorer la sécurité, les efforts de l'inquisitrice pour sceller les failles de l'immatériel ont permis à plusieurs régions de Tedas de retrouver une certaine stabilité. Mais des démons isolés ou perdus loin de leurs failles subsistent encore. L'inquisition a reçu plusieurs appels à l'aide dans ce sens. Bon, on voyait la force. Évidemment. Transaction secrète. Et ça c'est quoi? Les champions de la justice. Transaction. Nous c'est transaction secrète je crois. Si vous choisissez les mages, il vous sera impossible de travailler avec les Templiers. Le château de Golfalois et les mages capables de fermer la brèche sont sous la coupe du magistère gérant Alexius. Un cultiste Venatori portant un intérêt malsain à Hadar et ayant le pouvoir d'altérer le temps lui-même. Il a gentiment invité Hadar au château, seul bien sûr, afin de négocier. C'est évidemment un piège, mais Leliana et ses agents peuvent s'infiltrer dans le château et éliminer la menace. Venatori, pendant qu'Alexius regarde ailleurs. C'est un jeu dangereux, mais c'est la meilleure solution. Niveau recommandé 4 à 7. Easy, on est 10. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre le château. Soit nous trouvons un autre accès, soit nous allons chercher les Templiers. C'est tout. Golfalois est aux mains d'un magistère. On ne peut pas tolérer ça. Ça, c'est vrai. La lettre d'Alexius demandait expressément la messagère d'Andraste. C'est forcément un piège. Arrêtons de nous disputer. C'est bien aimable de sa part, Alexius passe à l'attaque. Arrêtons de nous disputer, c'est bien. On n'a pas le temps de se chamailler. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Un magistère Tevintid s'empare de Golfalois, nous invite au château pour parler, et certains d'entre nous n'ont pas l'intention de réagir. Oh, ça suffit. Le château de Golfalois est l'une des forteresses les plus défendables de Ferelden. Elle a résisté à des milliers d'assauts. Si vous y allez, vous mourrez. Et nous perdrons notre seule chance de refermer ces failles. Il en est hors de question. Et si on ne fait pas l'effort de rencontrer Alexius, on perd les mages et on laisse une puissance étrangère hostile sur le pas de notre porte. Même si nous pouvions attaquer le château, ça ne servirait à rien. Envoyer une armée de l'Inquisition orlésienne à Ferelden, ce serait la guerre assurée. Nous n'avons pas le choix. Le magistère a été plus malin. Il doit y avoir une solution, ce n'est pas terminé. Allons chercher les Templiers. Non, ce n'est pas terminé. Le fils du magistère, Félix, m'a dit qu'Alexius faisait partie d'une secte qui me voue un culte. Je doute qu'ils acceptent nos excuses et vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Tant qu'on n'agira pas, ils représenteront une menace, et pas des moindres. On ne peut pas s'avouer vaincu. Il doit bien y avoir une solution. Ça ne vaut pas la peine, il nous faut un autre accès, contacter le Jarl. Ah bah oui, on peut contacter le Jarl. Où est le Jarl de Golfalois? Il a sûrement envie de récupérer son château. Après son éviction, le Jarl Tigan s'est rendu à Denerim pour solliciter l'aide de la couronne. Je doute qu'il veuille de notre assistance une fois son château assiégé par l'armée féreldienne. Attendez. Le château cache un passage secret. Une issue de secours pour le maître des lieux et sa famille. C'est trop étroit pour nos troupes. Mais on pourrait y envoyer des agents. C'est trop risqué.
ils se feront repérer bien avant d'atteindre le magistère. Pas si on fait diversion. C'est là que l'envoyé si cher à Alexius entre en jeu. Maintenez la tension sur Adar pendant que nous neutralisons les défenses du magistère. C'est risqué, mais ça peut marcher. Heureusement, vous aurez de l'aide. Ah, comment il arrive, lui ? Il doit y avoir des informations sur le magistère et ses méthodes, commandant. Ah, il est classe, hein, j'avoue. Vos espions ne passeront jamais la magie d'Alexius sans mon aide. Donc, si vous voulez vous attaquer à lui, je vous accompagne. Ce plan risque d'être extrêmement dangereux pour vous. Nous ne pouvons pas vous forcer la main. Nous pouvons toujours tenter de recruter les Templiers si vous ne voulez pas servir d'appât. À vous de voir. Et pendant super longtemps, ils vont nous, enfin, ils nous laissent le choix pendant longtemps. Tractation secrète. Le château de Golfalois et les mages capables de fermer la brèche sont sous la coupe du magistère gérant. Ah, mais non, ça, j'ai déjà lu ça. Confirmer l'opération ? Oui. C'est ce qu'on veut faire. Donc on est obligé de partir avec Dorian, ok. Sauf qu'il a pas d'équipement, le petit Dorian. Et si on embarque Blackwall pour changer ? À la place de Cassandra. Oh, c'est bien ça. Une équipe mixte, deux filles, deux mecs. Pour me rattraper sur l'équipe de filles que j'ai fait juste avant. Bon, ça vous plaît de regarder Dragon Age ? J'espère que vous passez un bon moment. Ils ont des armures qui brillent. Annoncez-nous. L'invitation s'adressait à maîtresse Adar uniquement. Les autres attendront ici. Alors j'attendrai ici, ils m'accompagnent partout. Je ne vais nulle part sans eux. Ouais, le mixage audio il est pas top, hein. Les voix, heureusement qu'il y a les sous-titres. Même pour moi, les voix sont basses au niveau des PNJ souvent. Par contre, ce qui m'embête, c'est que Blackwall, j'ai pas donné ses points encore. Monseigneur, les agents de l'Inquisition sont arrivés. Cher ami, quel plaisir de vous revoir. Vos camarades aussi, bien sûr. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons convenir d'un arrangement équitable pour tous. Et les mages ? On n'aura pas notre mot à dire sur notre propre sort. Fiona, vous ne m'auriez pas confié vos fidèles si vous ne me faisiez pas confiance. On devrait l'inclure, vous êtes la confiance incarnée ou passons, je suis sérieuse. Mais c'est qu'en fait, il y a toujours un gros écart entre le jeu et ma voix, c'est ça? Ou c'est vraiment le tout? On devrait l'inclure. Si la grande enchanteresse veut faire partie des négociations, je la convie en tant qu'invitée de l'Inquisition. Merci. Mais je suis partie avec tous mes personnages parce que j'ai l'impression qu'il m'en manque, là. L'Inquisition a besoin des mages pour refermer la brèche, et donc de moi. Mais que me proposez-vous en échange ? Ah ! Rien, vous voulez ma peau, parlons marge du temporel, parlons de Vanatori, on a des contacts. On a des contacts, c'est pas mal. L'Inquisition a de nombreux... Ah mince, Serra désapprouve. On devrait pouvoir trouver une compensation. Pourquoi Serra désapprouve ? Je ne vois pas ce que la noblesse orlésienne pourrait m'offrir que je ne possède pas déjà. Elle sait tout, père. Félix, qu'est-ce que tu as fait ? Et par rapport aux effets spéciaux, c'est vraiment les voix ou c'est les effets spéciaux aussi ? Il s'inquiète pour vous, votre plan a échoué, pourquoi êtes-vous là ? Ouais, pourquoi êtes-vous là, c'est pas mal. Vous m'avez invité ici. Pourquoi ? Savez-vous ce que vous êtes ? Vous entrez dans mon bastion avec cette marque volée, un don dont vous ne comprenez rien, et vous croyez tout contrôler. Vous n'êtes qu'une erreur. Parlez-moi de la marque. Qui a tué la divine ? Que devait-il se passer ? Si je suis une erreur,
Qu'est-ce que la brèche était censée accomplir au juste? Elle devait annoncer le triomphe de l'ancien, de ce monde. Père, vous vous entendez parler. Arrêtez. Le parfait stéréotype du méchant que tout le monde veut voir en nous. Dorian. Vous auriez pu faire partie de tout ça, mais vous avez refusé. Les pouvoirs de l'ancien dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Il fera renaître l'Empire de ses cendres. De l'ancien ? Alors quel genre de pouvoir ? Qui est l'ancien ? Vous êtes un fanatique. Ouais, bah qui est l'ancien ? C'est lui que vous servez ? L'assassin de la divine ? C'est un mage ? Ce sera bientôt un dieu. Il rétablira le règne des mages sur le monde, de l'océan de Boéric à la mer de glace. Vous ne pouvez pas impliquer mon peuple là-dedans. Alexius, c'est exactement ce dont on parlait, ce qu'on voulait éviter à tout prix. Pourquoi vous faites ça ? Il y a un mec qui s'est pris quelque chose Arrêtez, derrière. Père. Oubliez les vénatories. Laissez les mages du sud s'occuper de la brèche et rentrez avec moi. Non. C'est la seule solution, Félix. Il peut te sauver. Me sauver ? L'ancien a une solution. Il me l'a promis. Si je corrige l'erreur du temple... Je vais mourir. Il faut que vous l'acceptiez. Attrapez-les, Venatori. L'ancien a ordonné la mort de cette femme. Mais pourquoi faire ? Surprise ! Oula ! Faut peut-être vous pas un peu excessif, mort, non Alexius. Vous êtes une erreur. Vous n'auriez jamais dû exister. Oula. Ah, il a ouvert une faille, hein. Alors, est-ce que je peux mettre des points aux gens quand je suis en combat? Je ne suis pas sûre. Par le sang de l'ancien, d'où ils sortent ? Alors, découvrez ce qui s'est passé. Oui, c'est bien. Alors, deux secondes. Dorian, gain de niveau automatique. Parfait. Ah, il n'y a que Dorian et moi, là ? Oups. J'aurais peut-être pas dû la démarrer. Inventaire, je peux pas. Sauvegarder, je peux pas. Ok. J'ai vati pour ton level up. Et puis, ça devrait aller assez vite parce que du coup, j'ai un bon niveau. Un déplacement. Intéressant. Ce n'était probablement pas ce qu'Alexius avait prévu. La faille nous a déplacés. Vers quoi ? La confluence d'énergie mystique la plus proche. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être dans le hall du château. Attendez. Si on est toujours dans le château, ce n'est pas... La question n'est pas seulement où, mais quand. Alexius s'est servi de l'amulette comme prisme. Elle nous a déplacés dans le temps. Oh, la galère. Quoi, jusqu'où ? Est-ce qu'on est allé dans le passé ou dans le futur ? Et jusqu'où ? Excellente question. Nous allons devoir le découvrir, n'est-ce pas ? Regardons autour de nous pour comprendre où la faille nous a emmenés. Ensuite, on trouvera comment rentrer. Si on peut. Si on peut ? Que devait-il se passer ? Qu'est-ce qu'Alexius cherchait à faire ? Je pense qu'au départ, son idée était de vous rayer complètement du temps. S'il avait réussi, vous ne seriez jamais allé au Saint-Temple cinéraire et vous n'auriez jamais fait échouer le plan. Salut Nejma, bienvenue parmi nous. Je crois que votre surprise dans le hall du château l'a rendu imprudent. Il nous a jeté dans la faille avant d'être prêt. J'ai contré son sort. Il a perdu le contrôle de la magie et nous avons atterri ici. Ça se tient ? Pas vraiment. Ça paraît complètement fou. Je n'ose même pas imaginer les conséquences que ça va avoir sur la trame du monde. On n'a pas vraiment voyagé dans le temps. On y a fait un gros trou et on l'a jeté aux latrines. Mais ne vous en faites pas. Je suis là. Je vais vous protéger. Ah, t'aimes bien. C'est cool, ça. Menez l'enquête. Et les autres, connaissez-vous cet ancien ? Dans la salle, Alexius a parlé d'un ancien. Savez-vous de qui il s'agit ? Je suppose que c'est le chef des Venatori. Un quelconque magistère qui aspire à devenir un dieu. C'est toujours la même rengaine. Jouons avec de la magie qu'on ne comprend pas, ça nous rendra incroyablement puissants.
Oh, et bien sûr, peu importe si vous déchirez le fil du temps au passage. Et les autres et les autres. Nous n'étions pas seuls dans le hall. Est-ce qu'ils ont été aspirés par la faille, eux aussi? Je ne pense pas qu'elle était assez grande pour aspirer tout le hall. Alexius n'aurait pas pris le risque que lui-même ou Félix n'y passent. Ils sont probablement à l'endroit et au moment où on les a laissés, d'une manière ou d'une autre. Ah, j'ai beaucoup de mal avec la science-fiction et tout ce qui est transport dans le passé, le futur et machin, comme retour vers le futur en fait. Savoir l'impact de partir dans le passé, si tu fais quelque chose, si tu te fais remarquer et tout. C'est galère ça. Et si on ne peut pas en rentrer? Vous avez un plan, j'espère. Allons-y, allez, vous avez un plan, J'espère que vous avez un plan pour nous ramener d'où on vient. J'ai quelques idées là-dessus. Ce sont de jolies idées, brillantes, comme des petits bijoux. De jolies idées brillantes, comme des petits bijoux. Je vais sauvegarder, tiens, ça fait longtemps. Effectivement, j'ai pas sauvegardé une seule fois ce soir. Je vais voir pour l'équiper, le petit gars, là. Arme. Non, mais je vais pas avoir grand-chose. Hein. Arme, non. Armure, est-ce que j'ai quelque chose pour lui? Qu'est-ce que de garde? Pour point d'enchanteur, non, bah j'ai rien. Hein. Magnifique. Accessoire. Ceinture d'affolement. C'est quoi l'affolement? Le porteur de cette ceinture bénéficie d'une augmentation modérée de sa vitesse d'attaque lorsque sa santé est inférieure à 50%. Ouais. Plus 15% résistance spirituelle. Santé améliorée. Ah, santé améliorée, c'est pas mal. Les anneaux, il peut pas en mettre, j'en ai pas. Défense au corps à corps. Attends, c'est une ceinture que j'ai mis, hein, ouais. Puis le reste, c'est d'autres choses, donc... Bon, bah, c'est tout ce que je peux lui mettre, j'ai rien de spécial pour lui. C'est pas mal, ce petit cercle de recherche. Ah, j'ai ramassé une arme, je crois, pour moi. Je vais regarder. Inventaire. Arme. Il va ramasser une épine du dragon. Ah, je croyais. Lame. Attends, c'est où? Non, bah tant pis, c'est pas grave. Je pensais. Clé de prison. Ah bah voilà, nickel. Okay. Un squelette. Ce qui est pratique d'être un voleur, c'est qu'on peut se défaire des pièges et ouvrir des portes comme on veut. Ça, c'est plutôt cool. Donc on a le choix entre monter là ou monter là. Génial! Est-ce que je vais vers le bleu? Ou vers le feu? Je vais aller vers le feu, tiens. Parce que justement, je vais là où ça paraît moins agréable. Découverte des cellules supérieures. Ah, ça va, il me laisse le choix. Arquelon, ouh. Alexius a complètement saccagé cet endroit des dents. J'avoue. Je ne connaissais pas cette partie du château. Elle était remplie des plus affreuses sculptures de loups et de chiens que j'ai jamais vues. Mais ça, c'est encore pire. Cul-de-sac. Ça ressemble à un cul-de-sac. Ok. Comme ça, c'est réglé. Ouais, t'as vu, hein, j'ai un détecteur à coffre. J'aime bien les cul-de-sac. J'ai une carte des lieux ou pas? Ouais, j'ai une carte des lieux. Ah, c'était peut-être pas un cul-de-sac finalement, de l'autre côté, j'ai peut-être mal fouillé, hein. Je sais pas. Écailles de dragonneau. Ouh, trop bien. Ouh, de l'argent. Tant que ça brille, moi ça me plaît. Alors, viens voir. Là, j'ai un chemin. Une porte. Un truc chelou sur le mur, du sang. Ouais, génial. Oups, j'ai spammé le X. Pour ceux qui n'étaient pas là à la fin du live d'Erika hier, vous vous rappelez quand j'ai fait ding 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 sur la sonnette à l'entrée de l'institut? Eh ben en fait c'est un trophée ça. Ah, y a quelqu'un là. Je peux pas lui parler. Ah si. Andraste me protège. Mes larmes sont mes péchés. Mes péchés. Mes péchés.
Ça dure longtemps. Tractation secrète de Mieski. Oui, ok, d'accord. Gentil, monsieur, gentil. Cul-de-sac. Déco. Ah, pas cul-de-sac. Enfin, si, mais avec un truc. Et un cadavre. Déco, ok. Il va y avoir des ennemis! Bah ouais, en fait, je pouvais appuyer autant de fois que je voulais. Du coup, tu sais, moi, je voulais faire ding 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 ding, et bah ça m'a déclenché un trophée, donc nickel, trop bien. Alors, un ennemi! Fais dodo! C'est un duel! T'es mort! Non, pas maintenant. Toi aussi, t'es mort! Qu'est-ce qu'il crie? Alors, droite ou gauche? Il y a les deux côtés, donc bon, ok. Une porte, un coffre, une porte. Ah, j'ai fouillé une caverne tout à l'heure, elle était trop jolie. J'ai adoré. J'ai même fait un imprimé, enfin j'ai pris l'image et je l'ai envoyé au gars. Cellules inférieures. Ici tout petit ici. Sac, pierre du serpent veloutine, pas dégueu, des bonnes pierres. Moi, bon, je crois que je vais plus m'embêter à me rapprocher des portes, hein, ça sert à rien. Ah, tu aimes beaucoup? Ah bah tu vois, tu tombes bien. Je suis en pleine découverte, c'est la première fois que je le fais. J'ai bien l'ambiance pour le moment. Ah, il y a Sera qui est là. Mais le loot d'abord. Le loot d'abord et ensuite je m'occupe de Sera. Coucou Sera! Ah, c'est gentil, merci. Non, 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 non. Vous pouvez pas être ici. Vous êtes mort et les morts reviennent pas. Oh non! Tout va bien, Sera. Je suis venue vous hanter. Ça, c'est pas sympa. Du calme, du calme. Je vais y mettre tout va bien. Je ne suis pas morte, Sera. N'ayez pas peur. Comme si j'allais croire ce que dit un démon ou une bestiole de genre. Oh, pour l'amour de... Personne n'est mort. Alexius a utilisé de la magie temporelle. Si vous avez rien de sensé à dire, bouclez-la. Je veux pas penser à lui. Venez combattre Alexius. Écoutez, vous pouvez rester ici ou venir combattre Alexius avec nous. Le combattre? Pourquoi elle a une voix bizarre? On a déjà essayé, non? L'ancien a tué l'impératrice. Puis il a lancé une invasion avec une armée de démons. Des démons partout. Tout est parti en fumée ou a viré au rouge. J'ai envie de... Je veux qu'ils souffrent. Si c'est vraiment vous, sachez que je meurs d'envie de leur cracher au visage. Ah, c'est qu'en fait, le fait qu'on ait été retiré de l'histoire... Ah, d'accord. Puis... Là, c'est du lyrium rouge, là, qu'on a. Et le fait qu'on ait été retiré de l'histoire, il s'est passé des choses différentes pendant qu'on n'était pas là, quoi. Ouh, un cadavre, c'est glauque. En gros, parce qu'on a été retiré de... Ah, il y a Blackwall qui est là. J'avais pas vu. Oula. Oh, ayez pitié. Vous n'avez rien à faire ici. Les morts... Oh, il fait flipper. Ah, on serait dans le futur. Ah, exact, Arnaud. Andraste, ayez pitié. Non, ça... Vous n'avez pas l'air bien, je suis vivante. Venez avec moi, je suis vivante. C'est vraiment moi. Et je n'ai rien d'une morte, Blackwall. J'étais là. Je vous ai vu tomber. Le sort d'Alexius n'a laissé rien d'autre que des... D'accord. Sorts. Vous avez sauté des étapes. Regardez ce pauvre homme. Le sort d'Alexius ne nous a pas tués. Il nous a projetés dans le futur. C'est pour ça qu'on a survécu. Projetés dans le futur? Je ne comprends pas. J'ai Doc pour ton level up, si tu nous entends. On peut empêcher tout ça. Aidez-moi à le combattre. On peut en toucher tout ça, j'aime bien. Alexius,
On peut revenir au moment où on est parti et éviter que tout ça arrive. Je suis peut-être devenu fou. Si ce que vous dites est vrai, dans ce cas, tout ce que j'ai traversé, ce cauchemar tout entier, c'est une erreur. J'en suis désolée, c'est bien d'être en colère. Restez concentré. Oui, restez concentré. Un combat nous attend et vous devez être en pleine possession de vos moyens. Mais ça a l'air mal barré, hein. Le combat. J'imagine. Si nous faisons payer Alexius pour ses crimes, ça me suffit. Ils ont vu l'horreur. Vous cherchez Alexius ? Il est enfermé dans la salle du trône. Les gardes disent qu'il en sort jamais. C'est super glauque. J'aurais pu passer devant la devant la cellule de Black Wolf sans le voir en vrai. Pourquoi il me montre toujours par là? Pourquoi il me montre toujours ça? C'est bizarre. Ici. Ouh, un coffre. Oh, trop bien. Du loot. D'ailleurs, j'ai peut-être un arc pour Serra, moi. Arme. Ah, je me fais avoir avec les flèches à chaque fois. Arc long d'officier féreldien. Ah non. Autant pour moi, je pensais. Non, c'est de la dôme, c'est de la dôme, c'est de la dôme. Ah, ça c'est mieux. Ok, c'est bon. Moi, je pensais que l'arc bleu, ça allait être vachement bien, mais en fait, non, pas du tout. J'ai dû louper un truc de l'autre côté, alors ça veut dire. Fiona ? Ah ! Vous êtes en vie ? Comment ? Je vous ai vu disparaître. Ils sont tous complètement dingues. Que vous est-il arrivé ? Fiona, c'est vous ? On est parti longtemps. Vous produisez du lyrium ? Fiona, c'est vous ? Fiona, c'est vraiment vous ? Ce qu'il reste de moi. Vous connaissez la date d'aujourd'hui ? C'est très important. Demetra. 9.42 du dragon. 9.42 ? Alors on a sauté... Un an seulement ? Mais c'est que dalle ! J'ai raté toute une année. Mieux vaut tard que jamais. On doit revenir en arrière. Oui, bah logique. J'ai raté toute une année. J'ai dû passer à côté de beaucoup de choses en une année. Bah oui, on voit ça, ouais. Que vous fassiez attention. Alexius, obéis. C'est un peu flippant. Je fais ce que je peux, j'ai hâte de le rencontrer ou de voir mort de la poussière. J'ai bien le jet de rencontrer. Je n'ai encore jamais combattu de dieu. Ça promet d'être mémorable. Notre seul espoir est de trouver l'amulette qu'Alexius a utilisée pour nous envoyer ici. Si elle existe toujours, je pourrais m'en servir pour rouvrir la faille à l'endroit d'où on est parti. Peut-être. Peut-être. J'ai dit peut-être. On pourrait aussi finir en purée. Il faut essayer. Votre maître espionne, Leliana. Elle est là. Trouvez-la. Vite, avant que l'ancien ne sache que vous êtes là. Trouvez Leliana. Elle est où la petite Leliana ? Est-ce que je l'aurais loupé de l'autre côté ? Si le lyrium rouge est une infection, nom du créateur, pourquoi il en sort des murs ? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir ? Je l'aurais peut-être loupé de l'autre côté, c'est possible. Ah, ou pas.
Je vais leur mettre des abeilles. Ils sont beaucoup, je vais leur mettre des abeilles. Quoi? Pourquoi? Attends. Et dodo aussi. Oh, tu as explosé. Où ça se fait? Où tu vas, petit coquinou? Voilà, t'es mort. Le combat. On peut pas trouver quelqu'un d'autre à cogner. Ça me ferait du bien. Ok. Liliana, on arrive. Camp de la garde. Du loot. Il y a peut-être des trucs qui peuvent servir par ici. Ouais. T'as tout compris, ma mère. Prière au nouveau dieu. Ah, j'aurais dû le lire. C'est ça de passer le texte trop vite. Du loot. Oh, pardon. Pardon le bureau. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un squelette, peu importe. Et arrête de sautiller. Ok, 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 ok. Ça, c'est bon. Oh, je suis cassé derrière la porte. Par là, on n'avait pas tout regardé. Là-bas, il y a quelque chose. Là, il y a une caisse. Ah, cage de matériel. Où on va se bastonner? Là-bas, il y a un truc. Là-bas, il y a un truc. Ok. On gagne du temps à faire de la recherche auto quand même. Ils sont pas radins d'équipement quand même. Équipement d'obé du fion, mais équipement quand même. Ça a pas marché? Si, normalement. Voilà. C'est bon. Alors, est-ce que dans la pièce principale, j'ai fini aussi de fouiner? Par où on est arrivé? Je sais plus par où on est arrivé en fait. C'est pas grave. Non, ça a l'air d'être pas mal. J'ai fait le propre. Oui, j'avais fait les deux premiers, ouais. Bah après, le Dragon Age Origins, là, le 1, du coup, je l'ai fait en 2010. Donc, c'était il y a plus d'un an. Plus de 10 ans, pardon. Donc, en fait, j'ai des souvenirs vraiment, vraiment diffus. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai complètement adoré le 1. Si vous pouvez le refaire, le 1, d'ailleurs, je serais en kiff, ouais. Il était de toute beauté. Puis le 2, je l'ai fait aussi, histoire de le faire, mais moins dedans, tu vois. Pour le moment, le 3, il me plaît bien. Oh, j'ai brûlé. Oh, Lady, j'ai plus cher, là. Méchant mage. Ouais, le 2, ouais. C'était pas au niveau, quoi. Ça passait bien, c'est que ça restait quand même un bon jeu d'aventure, mais oh, qui ramasse des trucs sympas. Mais c'était, ouais, c'était moins, un peu plus osef, quoi. C'était moins prenant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre malgré tout. Ah, mais c'est vrai, j'ai oublié de mettre ces points à Blackwall. Oups, pardon Blackwall. Ah, tu vas mieux te battre maintenant. Ah, je savais pas qu'il y avait un 4 en préparation. Bah merci pour l'info, c'est cool. Non, pour le moment, globalement, ouais. Quand tu regardes dans la globalité, la licence Dragon Age, c'est plutôt une bonne licence. Hein. Je suis ravie de par où, moi. Ok, c'est bon. On n'a pas trop à se plaindre sur les Dragon Age, en général. On a toujours moyen de passer un bon moment. J'entends parler. Ah, salle de torture. Je préfère mourir. Oh la cata, Liliana. Ou vous voir mourir. Ok.
qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quoi. Vous êtes vivante ? Ça va aller, vous êtes tenace, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Personne n'est mort. Alexius a fait une erreur. Et ce sera la dernière. Vous avez des armes ? Quoi, un zombie ? Bien. Le magistère est sûrement dans ses appartements. Vous ne voulez pas savoir comment on est arrivé là ? Non. Alexius nous a envoyés dans le futur. Tout ça, sa victoire, son ancien, ce n'était pas écrit. Alors, vous avez beaucoup souffert, rien de tout ci n'est réel, de tout ça n'est réel, je dois revenir en arrière. Non ! Si on revient dans le présent et qu'on arrête Alexius... je trompais de truc. Et les mages se demandent encore pourquoi les gens ont peur d'eux. Personne ne devrait avoir ce pouvoir. Non mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est imprévisible. Avant la brèche, on ne faisait rien qui... Ça suffit ! Tout ça, c'est irréel pour vous. Ce futur que vous espérez ne jamais vivre, moi, je l'ai vécu. Le monde entier l'a vécu. C'était bien réel. Oh, c'est d'une violence, l'apparence qu'elle a. Je suis choquée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on était partis ? Taisez-vous. J'essaie juste de me renseigner. Non. Vous parlez pour meubler le silence. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il s'est passé, croyez-moi. Non. Ah non, mais tellement, elle fait trop mal au cœur. Vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé, croyez-moi. Rien que ça, cette phrase. J'ai Bencho pour ton level up. Ouais non c'est pas. Oula. T'as pas très envie d'avancer dans une pièce comme ça. Elle est ultra glauque. Il faut qu'on trouve Alexius. Il est sûrement dans les beaux appartements du château. S'il y en a. Oh des démons. Il y a une faille. Ah d'accord, il y a une faille. Je sais pas s'ils vont me laisser le temps de le faire. C'est bon. L'ambiance elle est dingue hein. Franchement. Quand tu vois l'état des lianas, franchement c'est abusé. Quoi, une faille à fermer ? Ah oui. Hein, je peux juste perturber la faille pour le moment, je suis pas encore fini. Donc c'est pas très utile là, dans ce sens. Ah si, je peux la fermer maman. C'est trop classe quand elle ferme une faille, je trouve. C'est dingue en un an ce qui s'est passé quand même. Ah, fallait s'appuyer. Je suis en train de spammer le X. Du coup, je comprenais pas ce qu'elle faisait. Découverte des quais. En tout cas, ils ont refait toute la déco. C'est pas très très joli. Le magistère a besoin de plus de puissance pour ses rituels. Non. Ne me faites pas de mal, Linéa. Comment ça, vous me faites pas de mal, Linéa? Elle était dans les douves, Linéa, il y a 2 secondes. C'est quoi ces bêtises ? Encore des mains. Oh le décor, franchement, les détails et tout, c'est plutôt cool. Hein. Encore une cache de matériel. Ça, ils sont plutôt gentils. Hein. Il est gentil le jeu. Oui, franchement, oui, c'est ce qu'on disait. Il est sorti 2014 même, je crois. Et il est encore super propre. Partout. Regarde pas. Mais...
Merde, j'ai regardé. C'est rare pour du rêve. Ouais, je crois que justement parce que j'avais bugué sur l'écran de démarrage en voyant que j'avais mis 6 ans à faire le Dragon Age 3. On va dire j'ai un petit peu de retard sur mes jeux. Je suis pas super à jour, on va dire. Mais je savais que je le ferais un de ces 4, mais... Le problème, c'est qu'il y en a tellement des jeux. Ah, c'est Death Stranding que j'avais failli avoir à 10€ l'autre jour, je suis trop contente. Mais tant pis. Et ça me fait penser d'ailleurs si vous voyez une promo sur du Last of Us 2, ça m'intéresse. Après, on a jusqu'à Halloween pour. Non, n'importe quoi, mais. On a jusqu'à Halloween pour. Oh, je suis ralenti. Ah, je suis dans un cercle, c'est pour ça. Il faut que je sorte là. Donc ouais, on a jusqu'à Halloween pour trouver Dragon Age, Last of Us 2, pardon. Ça va, on a le temps. D'ici là, il aura baissé un peu. Fouillé. Bah non, bah du coup, vu que je sais sa date de sortie, je le demanderai peut-être pour... Alors je sais pas si on l'aura, mais je le demanderai peut-être pour le site pour lequel je teste des jeux. En fait, ça ferait une pierre de coup. Bah, Last of Us 1, je l'ai en démat, donc les deux, je dirais. Peu importe qu'il soit en mat ou démat. Je fais pas forcément la collecte, j'aimerais bien juste le faire, tu vois. Avril 2022. Oh, ça, on a encore le temps. Ouais. Parce que t'as peur que ce soit reculé? Il y a une autre faille là-bas. Ah mais ben c'est cette faille-là qu'on est en train de combattre, d'accord. C'est Sera qui agrippe ses ennemis comme ça? Ah d'accord. Des fois t'as envie de leur dire mais vous stressez pas, hein. Annoncez pas de date hein, si vous êtes pas sûr. Il y a rien de pire. À cause de départ. Ah ça sent mauvais quand ça se passe comme ça. Quand ceux qui étaient là à la base partent ou des choses comme ça. Ah là là. Mm-mm. 44 encore sur Amazon. Pff, bon, on va attendre un peu. Et puis Amazon, je boycotte depuis qu'ils m'ont volé 300 balles. À 288€ pour être précise. Ah ok. Là, faudrait que j'appelle mon service juridique, voir si y a eu des avancées sur cette affaire. Heureusement, ma banque a pris en charge, mais c'est-à-dire que c'est ma banque qui a perdu 288€ à cause d'Amazon. Ces gros schlags. Un 37 a coûté dans 9. Ah, là, ça devient plus intéressant déjà. Là, j'ai un livre. Ben en fait j'ai mon compte qui a été piraté et comme ma carte bleue était enregistrée, ils ont pu faire une commande frauduleuse. C'est-à-dire qu'en fait ils ont fait une fausse commande, comme quoi j'avais acheté 3 statues indonésiennes trop chelou en bois merdique là, tu vois. Et du coup chaque statue valait je ne sais plus combien, du coup tu faisais 3 fois ça et ça te faisait 288 quoi. Sauf que j'ai tout de suite vu, donc j'ai tout de suite voulu annuler, j'ai tout de suite déclaré que c'était une commande frauduleuse. Donc techniquement... Le vendeur n'a rien touché, mais Amazon m'a toujours pas remboursé. En fait, ils ont pas voulu. À la base, ils m'ont dit oui, vous inquiétez pas, vous allez être remboursé. Et puis petit à petit, ils disent bah non, finalement, nanana. Et puis le remboursement est jamais arrivé. Mais au début, ils étaient très rassurants. C'était vous inquiétez pas, vous allez être. Bah, c'est que c'est. Comme je te dis, heureusement, ma banque a pris le pas. Parce que 288€, je peux te dire que. Ça fait un petit peu très très mal. Et surtout quand t'as confiance en une plateforme, tu vois, normalement Amazon ils sont censés s'occuper correctement de leurs clients. Et ben en fait non. Oh non, mon inventaire il est plein. Ah, BioWare c'est Mass Effect aussi. Et Andromeda n'a pas fonctionné.
Attention! Elle est où la femme? Ah bah tu vois, je savais pas que BioWare c'était également Mass Effect. Les Mass Effect, j'en ai fait aucun, mais j'en entends beaucoup parler. Faudrait peut-être que je m'y mette sur les Mass Effect aussi. Oh! Ils m'ont tué! Ils m'ont tué mon perso! Elle est où? J'en reviens pas, quoi. Pourtant, j'avais plein de soins. Ah, ils vont ressortir la trilogie? Ah bah, ce sera l'occasion. J'en reviens pas, je me suis fait one shot. Comment c'est possible? Mais le Mass Effect Andromeda, c'est un 3, c'est quoi? Ne le perdez pas. Je veux l'examiner plus tard. De quoi il parle? Éclat de lyrium. D'accord. Le début d'une nouvelle trilogie. D'accord. Ouais, ce qui n'a pas fonctionné. Oh non, mais dis pas que les jeux vidéo se mettent beaucoup à la trilogie ici. On en parlait au niveau des films hier. Que c'était la fête trilogie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, les trucs qui fonctionnent par trilogie, tu sais. Et on disait, c'est un peu lourd, quoi. Quand t'es obligé de voir trois films pour avoir la totalité de l'histoire, ça fait un peu suer. Bah ouais, et C'est pas mal, grand Hall. Ça a bien changé, dites donc. Bah, y a plein de trucs que je peux pas me ramasser, je suis trop triste. Ouais, c'est de Mass Effect, d'accord. Je note, je note. Ah, mais comment je vais faire pour looter tout partout, moi, si je peux plus? Là, ça va où par exemple? Ah, mais il y a un A, une cache. Ça va où ça? Le sort d'Alexius a fait beaucoup de dégâts. Des failles ont déchiré tout le sud de Tedas, à commencer par ici. Mais qui sait si c'est l'œuvre d'Alexius ou de la brèche? Là, on est tous fans d'un studio en particulier. Mais en tout cas, merci pour les infos, parce que j'avais jamais fait le lien entre Mass Effect et Dragon Age. J'avais même pas tilté que c'était le même studio, quoi. Mais barre-toi, toi, Liliana, t'es dans mes pattes. Je t'aime bien, mais bon, va crever ailleurs, quoi. Bah, tu vois, de savoir que c'est le même studio, ça me motive un peu plus à les faire. Vraiment. Suis-je perdu? C'est possible. Bah oui, ce sont des univers complètement différents. Et c'est ça qui est fort, justement. Bonjour les copains! Alors, une petite sauterie vers ici? Dodo! Un casque bleu, je ne laisse pas. Un casque bleu, je ne laisse pas ça derrière moi. Je vais devoir jeter des choses. Il y a encore un ennemi? Je vais devoir jeter des choses. Oh non! Elle est morte comme un petit caca. Ouais, pas trop fan de SF et pourtant t'as adoré. Ah bah tu vois, c'est un signe. J'aimerais ramasser le casque bleu. Du coup, je fais start, je fais inventaire, je ne peux pas, je suis en combat. Il est où le... Ah, il est derrière le mur. Bah oui, t'as vu, les voleurs, c'est ça le problème. Mais dans tous mes Dragon Age, j'ai choisi d'être voleur à chaque fois. Je suis pas une guerrière. Puis c'est trop pratique pour les pièges et puis les... Les coffres et tout. J'adore ça. Et double dague. Double dague, c'est la vie. Alors, du coup, je disais que je voulais le casque.
J'ai voulu le casque. Du coup, inventaire. Je crois que accessoires, je peux peut-être virer toutes les ceintures de merde que je n'ai pas vendues depuis X temps. Genre beaucoup. Parce que si je les place dans objet de valeur, ça sert à rien. Voilà. Parce que là, Arculon. Tout le reste, je garde parce que c'est des choses qui se vendent. Un casque pour le Kunari. Donc ma petite demoiselle, armure. J'espère qu'il est bien. Ouais. Un petit peu. Voilà. Youpi. Ensuite, du coup, la pièce d'à côté, il y a quoi dedans de bien? Ouais, ici, je vais peut-être pas ramasser tous les trucs gris. C'est hyper dynamique, double dague. Ouais. Mais tu vois, même sur Monster Hunter que je fais aussi, j'ai fait des doubles dagues. il me faut un guerrier. Cette brutasse. Oups, trop tôt. Quelle heure est-il? Ah oui, on a un peu dépassé là, effectivement. C'est ça le problème. C'est que je suis partie sur une grosse mission sans faire gaffe. Parce que là, je dois. Il a fait le tour lui. Je me faisais chier à ouvrir la porte, lui, il a fait le tour. Coucou! Lequel ça? Je comprends mieux pourquoi il y a des caches de matériel régulièrement. Pas dodo, le petit chanteur. Tu veux une petite berceuse? T'es mort. Désolé d'interrompre votre dîner. Ah, il y avait un éclat sur lui. Je suis pas venu là pour rien. Il y a une échelle ici, mais j'irai après, quoique. Quoique. Il y a trop de chemin là, c'est ouf. Il y a rien en haut. Il se fout de moi le jeu. Non mais. C'est ouf. Il se fiche de moi. 5 pièces d'or, tout ça pour ça, ok. On a nettoyé pas mal la zone. Toute cette partie là on l'a faite, cette partie là ok. On y voit plus clair. Enfin espérons. Là il y a quoi ici? Ça redescend. Je vais où là? Par là à gauche. Là-bas. Ouais, ce sera une bonne occasion, je suis d'accord. Une cage de matériel. Ah, je me suis fait piéger dans une longue mission juste avant la fin du live. Ce sont des choses qui arrivent. Prochaine fois, je ferai gaffe. Je ferai la mission principale avant de faire du secondaire. Tiens! Oh, il est parti en cendres. Faites dodo tous! Et puis bah, je vais vous mettre des abeilles aussi. Parce que ça me fait plaisir. C'est pas trop grosses les abeilles d'ailleurs. On les voit bien. Je lirai bien quelque chose de léger.
Ah, arrête de sauter. Ah, ça c'est très chiant quand c'est X pour sauter et X pour. Bouclier. Samite. Ah, si. Enfin, j'espère l'irium rouge. Ouais, nickel. Il nous en faut encore un lyrium rouge. Lyrium rouge. Parce que j'aimerais bien enregistrer, genre arrêter de jouer dans une zone safe, quoi, en revenant dans le présent. Oh, bouclier bleu. Les sceaux, vous avez trouvé un sceau. Les sceaux peuvent être fixés aux armures et confèrent des avantages spéciaux accompagnés de désavantages uniques. Ah, t'as un désavantage pour plusieurs avantages? J'espère. Donc là, je suis dans un cul-de-sac, effectivement. À droite, il y a peut-être des choses. Ou c'est fermé? Donc ça a l'air d'être fermé. Donc on va retourner. Alors sortant, on va aller à gauche. Ou pas. Il manque un seul éclat, je suis perdu. Qu'est-ce qu'il me reste comme endroit où je suis pas allé? Ça c'est la fin. Là. Ok, c'est bon, je vois. Tout va bien, je suis pas perdu. Ah, fouillé. Médaillon. Ah, ok. Bah ouais, du coup, il y a du rab. Par la force des choses, oui. Merci pour votre patience. Ah, t'as eu l'enchanteur là qui m'envoie des trucs. Je le vois. Hey dodo! Je les one shot? Ah, trop stylé! Affronter Alexius dans la salle du trône. On y est. Et votre ancien alors? Il est où? J'arrive pas à fouiller! Ouais, je vais avoir du nettoyage à faire dans mon inventaire. À quoi c'est remonté? Je suis désolée, je suis trop curieuse. Bon, allez. C'est ça, ouais. Ah, mais t'inquiète pas, c'est sur tous les jeux que je suis accumulatrice compulsive. C'est une maladie. C'est dès que ça brille, ça m'attire. Je suis une pie. J'ai été pie dans une ancienne vie. Est-ce qu'on peut sauvegarder par contre? Juste histoire de pas se faire poutrer la tronche. Oui. Bah c'est pour ça que dans les jeux en général j'aime pas trop acheter de l'équipement. J'aime bien faire avec ce que je ramasse, c'est bête, mais j'aime bien faire comme ça. Coucou Alexius, et nous que revoilà. J'espérais vous trouver là, finissons-en, vous êtes seul. Comment avez-vous pu? Vous allez me le payer. Et j'aime bien la petite là. J'espérais vous trouver là, genre super positive. J'avais peur de devoir fouiller tout le château pour vous trouver, Alexius. Ah, elle a changé de maquillage. Il n'y a plus aucune issue. Je m'attendais à vous revoir. J'ignorais que ce serait maintenant, mais je savais que je ne vous avais pas vaincu. Mon ultime échec. Ça en valait vraiment la peine? Tout ce que vous avez infligé au monde, à vous-même. Ça n'a plus d'importance. Il ne nous reste plus qu'à attendre la fin. La fin? Je m'attendais à un combat. On peut rectifier le tir. On peut rectifier le tir. Je ne suis pas de cet avis. Je vais arranger les choses. J'ai essayé tellement de fois. Le passé ne peut pas être changé. Tous ces combats, toutes ces trahisons. Et qu'est-ce que j'ai provoqué? Mort et ruine, voilà le résultat. L'ancien va venir, pour moi, pour vous, pour nous tous. Ah. Oh! Félix! C'est Félix? Nom du créateur Alexius, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'il allait mourir, Dorian. Je l'ai sauvé. Ne faites pas de mal à mon fils. Sauvé, je dirais pas ça. Abrégé souffrance, donnez-nous l'amulette. Non, bah donnez-nous l'amulette, hein. On le relâchera si vous nous donnez l'amulette.
Libérez-le, et je jure de vous la donner. Rendez-nous le monde. Oh non. Bah Liliana, t'abuses. Et qu'est-ce qu'elle a foutu? J'hallucine. J'en reviens pas, quoi. Il y a une brèche? Allez. Mais moi, il se laisse faire. Oups, j'ai été poussé. J'ai été poussé, chef. Il est où, ce schlag? Ah oui, il y a une brèche. Ah, c'est clair. Ah, je me souvenais pas qu'elle était dans le 1, la Liliana. C'est tellement de temps que je l'ai pas fait, je te jure. Vraiment, je me refasse. Il mérite. Ah, maintenant que tu le dis, ouais. Parce que autant je me souviens bien de Morrigan, je me souviens bien du chien aussi. Je me souviens de Varric, à peu près. Mais non, j'avais pas tweeté que Liliana faisait partie de l'équipe à l'époque. Le dodo, ça marche pas sur lui, j'ai l'impression. Oh! Oups! Il est où? Varric, c'est le 2. Ah bah, autant pour moi. Tu vois, je les confonds tous. Ah, je suis tellement ralentie! Je suis toute lente là. Il est où? Me pousse, Schlagos. Oh, ça grogne. Oh. Ah, il faut pas que je mette dans les ronds, hein. C'est pas possible. Oh là là. C'est une cata. C'est tellement lent. Il y a de la faille là-bas. Pourquoi elle prend pas de potions avec ça? Fermé. J'espère qu'on va pouvoir retrouver le passé. Oh, Bulut. Oh non, ils sont secondes, je peux pas ramasser, trop dommage. Je reviens pas que Liliana lui ait fait ça quand même à son fils. J'aurais dû lui dire de le lâcher. Elle a tapé dans le vide. Est-ce que je voulais faire le tour? Ah, t'es au sol, on en profite! Terminé. En fait, il voulait mourir. Toutes ces histoires qu'il se racontait. Les justifications. Ouais. Il a perdu Félix il y a longtemps et il ne s'en est même pas rendu compte. Oh, Alexius. Je me rendrai chez moi. On peut encore l'aider ou ça doit être dur pour vous. On peut encore l'aider. Cet Alexius était allé trop loin. Mais l'Alexius de notre époque entendrait peut-être raison. Possible. C'est cette amulette qu'il a utilisée. Je crois que c'est celle qu'on a faite à Minrati. On a de la chance. Donnez-moi une heure pour travailler sur le sort dont il s'est servi, et je devrais pouvoir rouvrir la faille. Une heure? C'est impossible. Vous devez y aller maintenant. Oh. Ah oui, effectivement. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont gagné. On part devant. On va en tuer autant que possible. Liliana, vous êtes la dernière ligne de défense. Ne vous retenez pas. Ne faites pas ça. Je ne peux pas faire ça. C'est la seule solution. On fera notre mieux. On fera notre mieux. Nous allons écrire l'histoire. Oh, c'est beau ça. Nous allons écrire l'histoire. C'est de faire en sorte que ce jour n'arrive jamais. Votre sort. Vous avez autant de temps que j'ai de flèches.
J'adore l'ambiance. Les ténèbres se rapprochent, mais je suis protégée par la lumière. Andrassé me guide. Créateur, je suis à toi. Oh merde. Si vous bougez, on y passe tous. Ah non, faut pas aller l'aider. Hein. Techniquement, on peut pas se battre avec un arc comme ça. Parce que il supporterait pas l'arc. Enfin, je suis pas sûr. Ah non. Allez, saute dans le trou. Voilà. Il va falloir faire mieux que ça. Rendez-vous, c'est fini pour vous. Rendez-vous. C'est tout ? C'est tout ? C'est fini pour vous. Vous avez échoué, Alexius. Votre ancien est du genre Clément. Vous avez gagné. Inutile de faire durer cette mascarade. Félix. Tout finira par s'arranger, père. Tu vas mourir. Il faut bien mourir un jour. Ah, j'avoue, ce passage, il est cool. Eh bien, content que ce soit terminé. Tu m'étonnes. Ou pas. Grande enchanteresse. Nous aimerions discuter de la façon dont vous avez abusé de notre hospitalité. Vos majestés, en offrant l'asile aux mages, nous ne leur avons en aucun cas donné le droit de chasser notre peuple de chez lui. Roi Alistair, Reine Anora, je vous promets que ça n'a jamais été notre intention. Suite à de tels agissements, vos bonnes intentions ne suffisent plus. Vos disciples et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Quittez Ferelden. Où nous vous y forcerons. Il ressemble vachement à Cullen, lui, c'est normal. Des centaines d'entre nous ont besoin de protection. Où va-t-on aller ? On peut vous protéger, nous, on a besoin de mages avec nous. On a besoin de mages. Si je puis me permettre, nous sommes ici dans le but de recruter des mages pour refermer la brèche. Et quelles sont les conditions de cet arrangement ? Bah, tu la fermes et tu viens. Ce sera mieux que ce qu'Alexius vous a proposé. L'Inquisition vaut mieux que ça, non ? Les gens se donnent rarement à 100% pour leur ravisseur. Après ça ? Enfermez-les tous dans une tour. Je crois qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter votre offre. Vous êtes nos prisonniers. Vous êtes nos alliés. Non, les alliés, quand même, c'est mieux. Ce serait un honneur que vous combattiez aux côtés de l'Inquisition. C'est une offre généreuse. Mais est-ce que le reste de l'Inquisition saura l'honorer ? La brèche menace tout Edas. On ne peut pas se permettre d'être divisé. On ne peut pas se battre sans vous. Tout espoir de réussite passe par votre soutien total. C'est une offre. Cassandra désapprouve. Iron Bull désapprouve. Black Wall approuve. Serra désapprouve grandement. Ils auraient peut-être préféré que je les emprisonne. J'accepte. Ce serait idiot de refuser. Je vais rassembler mon peuple et le préparer au départ pour Dars. Non, mais les pauvres, je les ai libérés. C'est pas pour les remettre en. Vous ne regretterez pas de nous avoir tendu la main. C'est pas pour les remettre en esclavage, les pauvres, quoi. T'imagines, sinon ? Bon, bah voilà. 40 minutes de rab. Oups. Merci. Ah, c'était cool. J'ai beaucoup aimé ce passage.
n'est pas sujet à discussion. Il y aura des abominations parmi les mages, et nous devons y être préparés. Si nous retirons notre offre d'alliance, l'Inquisition aura l'air incompétente, si ce n'est tyrannique. Qu'est-ce qui vous a pris de libérer ces mages et de les laisser sans surveillance? Le voile est déchiré. Ah, merci pour ton follow, Najma. Ah, faut que je bois un coup. Il en reste. Qu'est-ce qui vous a pris de libérer ces mages et de les laisser sans surveillance? Je vais mettre voyer cela comme un essai. Parce qu'il faut qu'ils nous aident, je leur ai menti. Ils méritent d'être libres. Voyez cela comme un essai, c'est pas mal. Accordez-leur une liberté provisoire. S'il s'avère qu'ils n'en sont pas dignes, vous leur imposerez des limites. Combien de vies seront perdues s'ils échouent? Le voile est déchiré. Il est vachement négatif, là. Il y a la menace de possession. Ça suffit. Aucun d'entre nous n'y était. On ne peut pas se permettre de se critiquer les uns les autres ainsi. Le seul but de la mission de la messagère était d'obtenir l'aide des mages. Et elle y est parvenue. Eh ouais. La voix du pragmatisme a parlé. Juste au moment où je commençais à apprécier cette dispute qui tournait en rond. Ouais, il a bugué, c'est dommage. Tout ce qui compte, c'est de fermer la brèche. Et plutôt sera le mieux, j'ai vu ce qui est en jeu, très bien, allons-y. Ouais, j'ai vu ce qui est en jeu, oh purée, oui. J'ai eu un aperçu des conséquences qu'aurait notre échec. Veillons à éviter cela. Nous n'échouerons pas. Nous devrions examiner ce que vous avez vu dans ce sombre futur. L'assassinat de l'impératrice Selene? Une armée de démons? Ça pourrait être l'œuvre d'une secte Tevintide. Orlaïs s'effondre, l'Empire s'élève, le chaos pour tous. Une bataille à la fois. Cela va prendre du temps d'organiser nos troupes et de recruter des mages. Allons au centre de commandement. Venez avec nous. Après tout, c'est votre marque qui donne un sens à tout ça. C'est un honneur. Adieu ma sieste. J'y serai. Adieu ma sieste. Rejoignez-nous lorsque vous serez prêts. Je vais passer au conseil de guerre, mais j'aimerais voir la brèche de près, si ça ne vous dérange pas. Ils sont sympas, ces vêtements, lui. Ça veut dire que vous restez ? Oh, je ne vous l'ai pas dit. Le sud est tellement charmant et rustique. Je l'aime jusque dans ses moindres recoins. Vous voulez vraiment rester ? Je ne veux pas de vous ici. Ravi que vous restiez. On vous aura à l'œil. Bah, ravi que vous y restiez, parce qu'il m'a quand même vachement aidé. J'aimerais mieux être coincé dans le temps, à venir ou présent. Excellent choix. Mais j'aimerais autant éviter de me retrouver coincé à nouveau, pas vous? C'est vrai. Je vais lancer les préparatifs pour envoyer des troupes vers le sommet. Si le créateur le veut, les mages suffiront à nous garantir la victoire. Ce qui nous a quand même bien aidé, la mine de rien. C'est grâce à lui qu'on a pu revenir. Je te dis merci pour ton follow, Nejma. J'ai un gros doute. Jésus pour ton level up. Et voilà, on va arrêter là-dessus. On va sortir parce qu'on voit rien. Hein. Ah, de l'air frais. Ah, un monde plus juste. Oh, une brèche. Tout va bien. Ah. Je suis contente d'avoir fini cette mission. J'ai sauvegardé. Effectivement, prochain numéro, ce sera dimanche prochain. Est-ce que j'ai bien sauvegardé? 23h44. Ah, je lui dis, ah, j'ai eu le gros doute et tout. Je me suis furée, j'espère que j'ai pas été mal poli. Quelle horreur. Ah, mais c'était cool. J'ai bien aimé. Au niveau des lives de la semaine prochaine, ça va être plus léger parce que j'ai mon fils qui est en vacances qui est avec moi. Donc il n'y aura pas de multi mardi. Il y aura un live jeudi, Tropico encore normalement si je me trompe pas. Il y aura sans doute pas de live vendredi après-midi parce que du coup ce sera pas facile avec le petit haut dans les patounes. Et par contre il y a le retour de Dragon Age dimanche soir prochain. Dimanche soir prochain, pardon, c'est dur à dire. Bon allez, sur ce, je sais pas qui est en train de streamer actuellement. Peut-être pas de faire de raid, je sais pas, parce que mon PC à chaque fois il bug et c'est chiant. Donc je préfère vous dire au revoir comme ça, vous faire des gros bisous. Et puis bah vous dire à jeudi, alors je sais ça va faire long mais bon. Ouais c'est normal, les semaines où j'ai le petit, j'allège beaucoup. Bah des gros bisous à tous, merci encore pour ta présence et ton nom d'arrivée Nejma, c'était sympa. Et puis voilà, ciao ciao tout le monde. Avec plaisir.